J'adore. C'est tout en simplicité, ça nous représente complètement. Bienvenue sur Fun Radio, c'est Marion et Anso, le Night Show, il est 22h02, on est parti, on espère que le mercredi a été bon pour tout le monde. Et nous on est très contents, puisqu'effectivement c'est une grosse soirée là qui nous attend. À pas se mentir, il y a plein de choses, déjà c'est une grosse semaine, on le disait avec Karel, demain on sera en Facebook Live avec toute l'équipe Fun Radio pour parler de la Fun Radio Ibiza Experience, donc ne manquez pas ça, on prépare pas mal de surprises de notre côté. Et puis il va se passer plein de choses dans la journée, enfin, hé, on bûche hein ma Anso. Oh là 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 là. Vous savez, on pense à vous parce qu'on sait que c'est la période en ce moment où c'est les brevets blancs, les bacs blancs, je sais qu'il y en a plein qui vont passer les épreuves du bac blanc demain. Oui, c'est vrai. Et après-demain également. Donc du coup, sachez que nous sommes avec vous et que nous aussi, à notre manière, on révise, on bûche. Ouais, alors c'est vrai qu'on est solidaires, mais par contre, il y a quand même toute une partie de la France qui est en vacances et qui, elle, fait des fucks aux autres. Exactement, mais chacun son tour, chacun son fuck. Bon, ce soir, on vous l'a dit il y a quelques instants avec Karel, c'est Kev Adams et Mélanie Bernier qui seront nos invités. Somme toute, là, finalement, dans quelques instants. Donc si vous avez des questions, vous pouvez déjà nous appeler au 01 42 48 5000. Page Facebook Marion et Anso, Twitter pareil, Instagram également. Pourquoi ? Parce qu'on s'appelle, eh bien, Marion et Anso, hein, c'est notre état civil. Donc ils vont venir pour la sortie du film Love Addict qui va débarquer dans les salles avec Fun Radio le 18 avril prochain au ciné. Et alors je vous le dis, on lui a préparé quelque chose, enfin on leur a préparé quelque chose à Kev et Mélanie d'assez extraordinaire. Ça sort vraiment de l'ordinaire, restez là parce qu'on a eu beaucoup de mal à préparer ce truc et on en est assez fiers. Ouais, franchement, même vous, vous allez être super impressionnés. Pour le son ce soir, on va s'écouter Marwa Loud. C'est combien de dollars a gagné Calvin Harris entre juin 2016 et juin 2017 sur un an? Deux dollars. Quatre, avec tous ces titres, à votre avis. Anso, donne un chiffre. C'est en millions? Ah bah oui. Allez, je vais dire 15 millions. Ah ouais. 48,5 millions de dollars en un an. Ouais. Bah voilà. Salut mon Calvin, quoi. Ah non, mais tu sais quoi, au final, moi je trouve que ça donne envie d'être à sa place, ça donne envie de finalement de se lancer peu importe le domaine. Mais je trouve ça bien parce que le mec il bosse, quoi. Ah, il bosse. Sa vie, c'est pas que jet privé et piscine à débordement. Mmh. Bonsoir, tu vas l'area. Bonsoir. Ça va toi? Bah, moi je suis hyper excité de voir Kev Adams et Mélanie Bernier ce soir en vrai. Ah oui, c'est vrai que toi aussi t'es venu voir le film avec nous, ouais. T'as adoré. Ah ben, y a une scène qui est hyper cool dans le film où on peut voir un peu plus Mélanie Bernier, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'elle est jolie, mais bon, si c'est que ça que t'as retenu du film, bon, tu te tairas pendant l'interview, s'il te plaît. Oui, mais elle est magnifique, elle est sublime. Elle est belle. Bonsoir Enzo. Bonsoir les filles, bonsoir tout le monde. Ça va, lendemain d'anniversaire, tout va bien? Ouais, tout va bien. Je fête ça ce week-end. D'ailleurs, j'invite l'ensemble de la France et vous les filles. Ah bah avec grand plaisir, mon chat. Merci. Mais on sera pas là. Non, je rigole, on sera là évidemment. Enfin, moi non, mais... Bonsoir Pablo sur les réseaux sociaux. Salut. Ça va? Ouais, ça va. J'ai eu un petit tweet de Nico qui nous dit le Night Show avec Kev Adams et Mélanie Bernier, trop bien ce soir. Et la deuxième partie, c'est les filles, le clip La Pluie. Est-ce que vous l'avez vu de Relsan? Ah oui, avec Stromae. Ouais. Magnifique, avec tous ses parapluies. On a l'impression qu'il marche sur les parapluies. C'est vraiment chouette. Bah, c'est ça. Il l'a trouvé ouf et il aimerait bien qu'un jour on invite les deux ensemble, Relsan, Stromae. Ah ouais. Ah bah, les gars, c'est quand vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si vous voulez dormir à la maison, il n'y a pas de souci. Si tout à l'heure vous voulez parler à Kev ou à Mélanie, celle qu'il faut appeler, c'est Oli du Standard au 01 42 48 5000. Attention, à mon avis, ce soir, il va y avoir des appels, Oli. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. C'est bien. Concentre-toi, bois de l'eau, vas-y. Et alors, attention, on vous en a parlé longuement hier dans l'émission, mais c'est vrai que, eh bien, ce soir, nous allons démarrer l'émission avec la personne qui va passer toute la journée avec nous demain, puisque demain, c'est Marion et Anso, opération Bahut à Paris ou en région parisienne. Oui, on part avec nos potes de Sunny Delight pour vous récupérer au collège ou au lycée, pour faire une activité de malade et pour vous emmener avec nous le soir en studio. Alors évidemment, on ne part pas avec tous les salariés de Sunny Delight, parce que sinon on serait obligé de partir en cargo et nous n'avons pas les moyens. Mais nous allons tout de suite appeler la gagnante. Ah ouais, on appelle en direct nous, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu vois, comme c'est demain, il faudrait que ça décroche quand même. Hein. Oui. Ah oui, bah. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Non. Non. Bonsoir. Ça va? Anso. Effectivement, non. Tu as l'oreille. C'est quoi ton prénom? C'est Tom. Tom, d'accord. Alors Tom, déjà, parle-nous un peu de toi. Tu es où exactement? Paris, région parisienne? Quelle classe? Quel bahut? Vas-y. Ouais, c'est ça. J'ai 16 ans. Je suis en première STI2D au lycée. Je vais y arriver à parler. Saint-Nicolas, Paris 6e. Et bref. Putain, j'en perds mes mots là. Tu t'es inscrit pour l'opération bahut? Ouais, je me suis inscrit et j'y croyais pas du tout.
Eh bien, effectivement, t'avais raison de pas y croire, ce n'est pas toi. Mais Tom, en tout cas, si tu l'acceptes et si faire un atelier couture ne te dérange pas demain après-midi, non, mais si tu veux, on va faire une activité de ouf demain. Et si tu l'acceptes, on vient te chercher demain à la sortie de ton bahut. Tu finis à quelle heure? Clairement, ouais, je finis à 15h20. Eh bah, c'est gagné pour toi. Ah, ça va être énorme. Et alors, j'espère que tu aimes les sensations. J'espère que tu aimes. J'espère que tu es un petit peu sportif. Ok. Ouais. On va kiffer. Hein. Et préviens tout le bahut. Hein. On sera là avec des cadeaux, ouais. Avec plein de trucs Fun Radio, Sunny Delight, la totale. Donc on veut du monde, d'accord? Ok, nickel. Je vais ramener du monde. N'inquiétez pas. Bon, et ben Tom, on se voit demain, mon chat, d'accord? Nickel. Je suis super content. Putain. Ok, nickel. Ça s'entend, mais dis donc, mollo sur le putain. Hein. Allez, on t'embrasse, chaton. Désolé. Bisous. Et puis, évidemment, tout ça, ça sera à suivre sur nos réseaux sociaux. On fait des Facebook Live, des stories absolument partout. Marion et Anso, donc allez-y, grosse journée réseaux sociaux demain, du coup. Ouais. Alors, moi, j'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on maîtrise le Facebook Live. Hein. Ah oui, on commence. Au sein de Fun Radio, et que je t'en fais un midi, que je t'en fais un dans l'après-midi, et que je t'en fais un le soir aussi, que j'en ai foutu. Non, mais franchement. Hein, et que je vais t'en faire un avec Kev Adams dans un instant. Et bien, justement, il arrive avec Mélanie Bernier. Ils sont là tous les deux. Si vous avez des questions à leur poser, et ben, c'est maintenant. 01 42 48 5000. Et si vous pouvez pas passer à l'antenne, parce que je sais, bande de petits cachotiers, qu'il y en a qui nous écoutent en secret comme ça sur leur couette, et ben dites-vous qu'on vous lit sur Twitter, Facebook, Marion Anso partout. On se retrouve juste après Maître Guillaume. On est en direct, il est 22h12 et on attend Kev Adams et Mélanie Bernier qui devraient arriver d'un instant à l'autre. Alors déjà, première remarque qu'on va leur faire, ils sont un chou en retard. Ouais, mais bon, alors il faut savoir aussi que quand même, ils se sont levés ce matin, ils étaient chez Bruno dans la radio entre 6h et 9h. Ouais. Donc forcément, tu peux te dire à ce moment-là, ça pique. Ouais, ça pique un peu et puis tu sais, il y a les bouchons parisiens. Ah donc oui, ils sont à moitié pardonnés. Et à 22h12, ça bouchonne sur le périph. Oh là là. C'est une catastrophe, Enzo. Ah, mais j'aimerais bien qu'on me défende autant quand je suis 10 minutes en retard, moi. Ouais, c'est ouais. Pas la même. Excuse-moi, Enzo. Tu t'appelles Kev Adams? Non. Bon, alors. Mais n'hésitez pas à tweeter quand même Kev pour lui dire de se manier le yonf. Moi, j'aimerais bien lancer un petit défi à Thibaut parce qu'il m'a saoulé avec ça toute la journée dans le bureau. Il a inventé un nouveau jeu que je trouve, somme toute, assez drôle. Quelque part, peut-être un petit peu cruel pour les gens qui sont un petit peu premier degré. Voilà, il m'a lancé un défi. Il me dit: tu as 15 secondes pour me balancer 10 mots à la suite qui n'ont rien à voir les uns les autres. Sinon, tu meurs. Ouais. Bon, le fait est que, rassurez-vous chez vous, j'ai perdu, je ne suis pas décédée. Je me sens mal. Ah, mais c'est hyper facile, non Thibaut, c'est hyper facile, tu veux essayer toi? Ouais. Alors essaye Marion, tu as un chrono de 15 secondes Thibaut? Je vais le faire comme ça du coup. Alors attends. Vous me dites go hein. Attends. Mais je dois dire 10 mots mais qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Exactement. Ok, attention. C'est prêt, t'es prêt Thibaut? Ouais, je suis prêt. Ok, culotte, lévrier, écran, jardinage, vitrine, ta mère, suçage, poupée gonflable, frange, et puis chemise, 3, et puis yeux, 2, et puis barbe, 1, et puis 0. Je t'emmerde. Ah oui, c'est dur. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est chaud. Ah oui, c'est dur parce qu'en fait, il y a forcément un rapport à un moment donné entre les mots. Ouais. Tu vois, si je dis yeux et barbe, c'est le visage, quoi. Oui, mais non, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu regardes avec ta barbe? Ouais, donc ça va, j'aurais pu m'en sortir. Ça peut marcher. Moi, tout à l'heure, j'ai perdu parce que c'était, j'ai dit caca et crotte de nez. Ouais. Alors, tu c'est trop propre, roche. Ah, c'est trop caca, quoi. T'as vraiment des idées de. C'est trop puéril, surtout, je des crois. Des beaux mots, ni plus ni moins. Et ben, selon la règle de Thibaut, nous sommes tous morts dans cette équipe. Voilà. Ouais. Bon, apparemment, ils arrivent. J'ai des nouvelles. Ça sent bon pour Kev. Ils sont en bas. La sécurité les fait chier. CM6, tu sais, tout ça, tout ce qui est problème de carte d'identité, parce que je pense qu'il a pas reconnu Kev Adams. Non, mais surtout, c'est vrai que parfois, on a des invités qui viennent avec leur carte vitale. Enfin, c'est pas un papier d'identité, hein, c'est sûr. Bon, en tout cas, appelez-nous, ils vont monter de toute façon par la porte, par la fenêtre. Ils vont arriver. 0142 Et il est 22h16 et nous avons des nouvelles de Kev Adams et Mélanie Bernier. Ils sont en train de monter. On a un souci avec la sécurité, je pense qu'ils n'ont pas pris leur carte d'identité. Peut-être qu'il va falloir faire une recherche sur Wikipédia éventuellement pour vérifier que ce sont les bons visages. Mais on me fait signe qu'a priori, ils arrivent. Donc je vous le dis, l'équipe, quand ils arrivent, on leur fait un accueil de ouf. Je vois une tête, je vois un visage. Rentre donc. Qu'il est bête. Rentre donc. Kev Adams est là. Bonsoir. Allez, bonsoir. Installe-toi. Ça va. Bonsoir Mélanie. Ça va. Bonsoir. Installez-vous. On fait ça à la bonne franquette. C'est-à-dire qu'on est en direct, hein, du coup. Hein. Ah, et vous êtes. Alors franchement, vous êtes classe. Ils sont super bien habillés. Bonsoir. Bienvenue. Comment s'est passé le contrôle sécuritaire? Extrêmement bien. On a été refusé. Quand ça se passe comme ça, c'est extrêmement bien.
Parce que si, en général, quand on est accepté directement, c'est une mauvaise émission. Ah oui, je vous jure que c'est vrai. D'accord. Mais là, on est arrivé. Je suis venu avec quelques amis, puisque forcément, c'est un horaire d'émission où tu peux commencer une soirée chez toi. Et vous avez bien fait. Et tu te dis, ah, faut que j'aille à la radio. Et après, tu te dis, mais c'est une émission chambée, c'est pas grave, on va kiffer. Du coup, comme on va kiffer, bon bah venez les gars, ça va être sympa. Bah, donc ils sont venus. Fait. Et sauf qu'ils se sont fait recaler. Entrez maintenant. Entrez dans venez les potes de Cal maintenant. Faire un public. Pas de soucis. Bah du coup, vous étiez là ce matin. Vous étiez avec Bruno ce matin, ça s'est bien passé, vous avez été bien reçus. Exactement, oui. C'est la journée Fun Radio pour nous. On commence et on finit nos journées avec vous. Et alors, on est pas trop fatigué, ça va? Si. Oui. J'aime beaucoup la franchise. Si, si. Déjà, le 7h du matin. Ouais, c'est pas facile. Pour nous, c'est compliqué. C'est pas facile. Bon, ça se voit pas. Je trouve que vous avez de très bonnes têtes. Oh, les mines, des bons maquilleurs. je trouve que le marathon promo ne se voit absolument pas. Ouais, non, mais là, ça commence à être complexe. Mais on est très heureux d'être avec vous ce soir. Et ben, nous aussi. Dans cette émission événement. Sachez qu'on a vu le film. Toute l'équipe. Ah, c'est vrai? Oui. Et alors, on a beaucoup ri. Ah. Je vous le dis, alors je sais que vous l'avez fait à peu près 600 fois, mais il va falloir s'y recoller pour peut-être le peu de gens qui n'ont pas encore vu la bande-annonce. Qui veut me pitcher le film? Mélanie. Allez Mélanie, elle est dégoûtée. C'est allez. Mélanie va pitcher le film. Alors, je ne vais pas vous le faire en chanson. Non. C'est l'histoire de Gabriel qui est interprété par Kev Adams et qui est donc un jeune homme qui a une sacrée pathologie, c'est-à-dire qu'il tombe amoureux de toutes les femmes qu'il rencontre, qu'il croise et il peut s'empêcher de les séduire et de finir au lit avec. Et ça devient vraiment très compliqué pour lui et du coup il va devoir engager une mindeuse qui est donc Marie-Zoé, le rôle que j'interprète. Et une mindeuse, ça existe aux États-Unis, c'est un vrai métier, pas en France. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui vous suit pour vous inviter, pour vous... Il est trop long. Pour vos coachs. Il est trop long. Je peux pas m'en pousser. Mélanie est formidable. Hein. Elle a fait une promo exemplaire. Mais 22h19, c'est pas du tout son heure. Excusez-moi, c'est pas son heure. Et là, moi, j'entends ce pitch. Là, je suis dans ma voiture, j'entends Fun Radio. Je dis, je n'y vais pas avant ce truc. Je veux pas y aller. C'est très compliqué. Mais attends, pauvre femme. En gros. Non, mais en plus, c'est bien. En gros, c'était vraiment bien parce que, en tout cas, les gens ont déjà la senteur du truc. Tu vois. Oui, c'est ça. Merci. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui est un addict à l'amour, un addict à la séduction, oui. Et qui a besoin de se soigner parce que ça l'empêche d'avancer socialement et personnellement. Et donc, il va engager l'aide d'une mindeuse, oui. Qui est là en fait pour l'aider à vaincre son addiction. C'est aussi simple que ça, mais le film est beaucoup plus drôle que c'est quelque chose. Oui, voilà, c'est aussi, que là, forcément, quand on sent ça comme ça, effectivement, là, oui. Mélanie, je m'excuse parce que c'est plus difficile que ce que je pensais. T'as vu? Franchement, j'ai rarement vu aussi beau pitch. Je vous remercie. Vous êtes très bon dedans. Le casting est juste top. Marc Lavoine, exceptionnel. Ah ouais. Bah voilà, tu le fais mieux que nous en fait. Bah oui, bah si tu veux, je fais toute la promo à ta place. Tu écoute, n'hésites pas. Là, je t'avoue qu'on est sur la fin. Donc ouais, un peu tard. Mais c'est toujours sympa pour vous. Mais c'est cool. Non, il y a Bategel, il y a Jérôme Niel. Franchement, c'est absolument. C'est drôle et ça passe vite. J'ai trouvé que ça passait super vite. Oui. Moi, j'ai un problème avec les films longs. Donc je vous le dis, vous m'avez fait plaisir. Voilà. Bah écoute, ça fait plaisir parce que moi aussi j'ai un problème avec les films longs. C'est pas vrai. Et ouais. Putain, mais que de points communs. Incroyable. C'est incroyable. Mais allons voir des films courts ensemble. On a plein de questions pour vous. Le film sort le 18 avril prochain. Vous êtes prêts à répondre à tout? Pas de soucis. On est prêts à répondre à tout. Ça tombe bien. Il a peur. Mais vas-y, non, y a pas de... Caroline nous a appelé. Elle était à Dijon. Non, pas, c'est Caroline, je la connais à Dijon. Elle est hyper cool cette meuf. Bonsoir Caroline. Salut. Salut Kéla, salut Mélanie. Salut Anto et... Et Marion. Bonsoir. Du coup, moi, j'avais une question. Parce que, du coup, je suis allée voir le film et j'ai vraiment beaucoup rigolé. C'était vraiment super. Et du coup, ma question, merci. C'était est-ce que vous auriez pu tomber amoureux dans la vraie vie, tous les deux? La question qui fâche. La question qui tue. Alors, le cinéma reste du cinéma, le mais cinéma. Je pense que parfois, pour faire un film, et surtout quand on joue des rôles comme ça, on a toujours un peu besoin de tomber un peu amoureux de son personnage. Ça permet. Non, mais. De tomber amoureux de son partenaire, parce que pour que ce soit sincère, pour qu'on y croit, pour que ça vous fasse rêver, parce qu'il y a des scènes toujours un peu intimes à jouer, etc., c'est plus facile d'apprécier l'autre. Bravo. Que de ne pas l'aimer. Bravo, et donc madame. Du coup, on programme nos cerveaux pour se laisser séduire le temps d'un film, le temps d'une journée. Voilà. C'est ça. Hein, c'est un peu ça. C'est exactement un peu, ça. Tomber amoureuse de lui pendant le film, quoi. À Marie-Zoé, oui. Ah, ouais. D'accord. Voilà. C'est qu'est-ce bien qu'elle ou pas a, elle vous a bien répondu, je suis désolée.
C'est une jolie réponse qui veut complètement dire oui, ils auraient complètement pu tomber amoureux dans la vraie vie. Complètement. Ouais, donc en vrai, faut être acteur pour pouvoir tromper sa meuf tranquille et dire mais non, tranquille, c'est pour le rôle. C'est une légalité, exactement, ah ouais, c'est légal. Si non, attention, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que si tu joues dans une comédie d'action, tu vas faire du sport chez toi aussi pour te préparer au tournage. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, là, tu joues dans une comédie romantique, et bah, tu te mets vraiment dans le mood de la comédie romantique. D'accord. Tu trouves des qualités à la fille qui joue avec toi pour te dire mais attends, moi aussi, je voilà, comme ça, quand tu joues, t'es juste. Papa. Et oui, parce que son prénom, c'est juste. C'est juste le. Il est bon. Voilà, Caroline, tu as la réponse, ma chérie. C'était un petit peu, mais c'est finalement du travail. Caroline, comment ça se passe à Dijon en ce moment? Bah écoute, ça va très bien. Les grèves et tout ça, ça va? Ouais, galère. Et la moutarde? On avait tous très envie d'y aller, toi, sur la moutarde. Caroline, on va t'envoyer une dédicace parce qu'ils vont en signer plein tout à l'heure. Donc avec pas grand plaisir. Ok, merci. Et Kev, bah du coup, je sais pas si tu te souviens de moi, mais on s'est vu à l'avant-première. Oui, bien sûr, je me souviens. Bah oui. Bah bien sûr, Caroline. Et je voulais savoir si du coup, t'avais bien aimé les crêpes. Tu sais, Caroline, que je suis un grand fan de crêpes. Et donc, j'aime toutes les crêpes. Alors, excuse-moi, pourquoi tu fais le gars qui l'a vraiment reconnu? Bah parce que c'est vrai, je me rappelle que Caroline m'a offert des crêpes. Elle ressemble à quoi? À l'avant-première. Et je crois que c'était à Ludres, c'est pas ça? Non, c'était à Dijon. Ludres et Dijon, pardon, mais Ludres et Dijon, c'est un peu pareil, Caroline. Non, mais oui, en même temps, t'en vois tellement aussi, attends. Bah oui. Non, mais en plus, pour de vrai, je me rappelle des crêpes. Parce que c'est la seule qui m'a offert des crêpes sur cette tournée d'avant-première. Oh, bah, c'est gentil ça. Voilà. Voilà, Caroline, offreuse de crêpes. N'hésite pas à nous envoyer. Merci, Caroline, je te fais des bisous. On t'embrasse, ma chérie. Au revoir. Au revoir. Merci. Bisous. Bisous, Caroline. Ouais. Et d'ailleurs, c'est bien passé cette tournée des avant-premières là. Vous avez eu un bel accueil. Tout c'était incroyable. Ouais. Incroyable. Un public incroyable. Et au-delà des crêpes, est-ce qu'on vous offre des trucs un peu chelous, un peu surprenants? Alors à moi, jamais. Non, non. Oh non. Oh non. Et allez le chercher avec Kinder Bueno à la moi, machine. Je pense que je ne suis jamais pris autant de moments de solitude que sur cette tournée. Oh non. Mais non. Si. Et moi, moi aussi, il a beaucoup de cadeaux. On m'offre pas mal de trucs cool. Beaucoup de dessins. Mais pas de trucs chelous, des dessins, de la nourriture. Parfois, c'est ce qui est bizarre, c'est que il y a des enfants qui prévoient de t'offrir de la nourriture, donc c'est très mignon. Ils t'offrent des petits chocolats ou des choses comme ça. Et il y a d'autres enfants dans la salle qui se disent merde, j'avais pas prévu de. Mais apparemment, il a l'air de kiffer la nourriture, donc ils prennent une vieille sucette ou un truc. Oh non. Ils mettent un petit papier comme ça, ils disent c'est pour toi. Ouais, mais c'est hyper mignon. Mais c'est mignon. Oui, c'est très mignon. Bon, Kev et Mélanie, on va apprendre un petit peu à vous connaître. Je vais vous poser des questions. Vous allez répondre le plus rapidement possible, d'accord? Pas de problème. Voilà. Kev, quel est le youtubeur que tu kiffes le plus en ce moment? Blackfly et Pablito. Bat et Gaël. Et McFly et Carlito. Ouais. C'est bien les duos de youtubeurs, je trouve. C'est vrai, mais les duos, c'est sympa. Les duos, ça marche bien. Mélanie, ta découverte musicale du moment. Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment? Ah, merde. Chante. Ah, je l'ai vu au JT de Delahousse. Ah, la meuf parle comme une meuf de 60 ans. Ah, c'est quoi, c'est... Ah, je l'ai vu au JT de... Hyper bien, un jeune mec et il... Ah. Vianney? Et français? Non, il a un petit bonnet. Oui, De Preto, Eddie De Preto. Oh, Eddie De Preto. Ah, Eddie De Preto. Là, magnifique. Magnifique. Et c'est vrai que c'est cool. Ouais. Kev, quel est le dernier film que tu as adoré récemment? Coexister de Fabrice Eboué. Ah oui. Ah oui. Effectivement. Voilà. Enfin, il est sorti un petit moment déjà. Oui, mais moi je l'ai vu récemment. Chacun sa vie, ok? Mélanie, pour toi, l'acteur du moment, c'est qui? Kev Adams. Oh, elle est forte, oh, elle est fort. Mignonne comme tout. Kev, la série que tu regardes en ce moment? En ce moment, je suis sur la saison 2 de Santa Clarita Diet sur Netflix. Ah, pas mal, les zombies, un peu marrant là. Exactement. Ambiance mi-zombie, mi-Desperate Housewives. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder, c'est génial. Casa de Papel, on est comment les deux? Vous aimez ou pas? Terminé, j'ai tout terminé, c'est exceptionnel. Moi, j'ai vu que le premier épisode. Moi, je cherche un sens à ma vie depuis que je l'ai terminé aussi. Pourquoi tu cherches un sens à ta vie? Parce que je sens qu'à Casa de Papel, je ne sais plus comment vivre. Elle est fan. Tu recommences, moi, je l'ai fait deux fois. Tu recommences, ouais. Ah, j'ai pas osé, moi, tu vois, j'avais peur qu'on me. Ah, il faut que tu recommences, tu vas kiffer. Ben, je vais recommencer. Quand ça va recommencer, que tu vas entendre Miami Tokyo. Et ça va les poignets. Ah ouais. Tu fais le ouf. Ah, vous savez quoi, les gars, j'y vais moi. Bon, Mélanie, le personnage de BD que tu préfères? Picsou. Ah ouais, à l'ancienne. Ça, c'est étonnant. À l'ancienne. Oui, mon frère, il était abonné à tous. Bah, les bien sûr, magazines. C'est surtout pour l'oseille, Mélanie. On te connaît. Et puis, une dernière question pour tous les deux. Votre émission de radio préférée? Soyez honnête, hein.
Bah, moi, j'écoute beaucoup France Inter. Tu me payes à Stéphane Bern. Et je continue à être vieille. Mais vous avez dit qu'il fallait être honnête. Non, mais oui, t'as bien, très bien fait. Bah, moi, je vais équilibrer en disant Marion et Enzo, évidemment. Toi, t'es un chat. Attends, c'est normal. Et ben, merci beaucoup. On n'en attendait pas moins de parce que je sais qu'elle allait dire France Inter. Je savais. Mais elle est honnête, c'est ça. Et Faubourg Simone aussi. Je ne sais pas si vous connaissez cette radio. Non, je ne connais pas. C'est une radio assez cool où il n'y a aucune publicité, rien du tout. Ah bon, mais que de la musique et tout. Et ce qui est énorme, c'est que c'est une radio complètement bio avec des ingrédients 100% français. C'est hyper smooth. Bon, en tout cas, si vous avez des questions à leur poser, eh ben, n'hésitez pas, ils sont en pleine forme. 01 42 48 5000, on fera un point aussi avec Pablo sur les réseaux sociaux, hashtag le Night Show. Et puis Calvin Harris, tout de suite, c'est tout nouveau, découvert chez Bruno Day. Si vous venez de nous rejoindre à l'instant sur Fun Radio, soyez tous les bienvenus. C'est Marion et Enzo le Night Show, et finalement, ça fait du bien par où ça passe. En fait, si tu veux, c'est l'histoire de Gabriel qui est amoureux de l'amour, tu vois. Et Marie-Zoé, si tu veux, elle va essayer de le soigner. Mais chut, ça va commencer. Kev Adams et Mélanie Bernier sont chez Marion et Enzo pour la sortie de Love Addict de 22h à minuit dans le Night Show. Sur Fun Radio. Le film sort mercredi 18 avril, casting de dingue, ils sont bons, ils sont drôles, ça pue l'amour en plus ce film. Allez voir ça et vous nous direz ce que vous en pensez. D'ailleurs, il y a eu une grosse tournée des avant-premières, donc a priori les retours ont été plutôt très bons. Ah, exactement, oui. C'était vraiment super de rencontrer le public et de voir qui était au rendez-vous. Donc, pourquoi t'as dit ça pue l'amour comme ça, Marion? Qu'est-ce qui se passe? Je trouve que ce film, il pue l'amour. Il me donne envie de chialer. Non, mais pourquoi? En plus, t'as pas d'amoureux? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah tu sais, moi on est sur une phase compliquée, Kev, hein, et tu veux qu'on en parle maintenant? Oui. Eh bien, effectivement, c'est quand même Marion et Enzo, le Night Show. C'est le célibat. S'il y a bien un endroit où on peut parler de la vie de Marion, c'est ici. C'est le célibat. C'est le désert. C'est la mort. Ah bah écoute, ça tombe bien, parce que j'ai un garçon à te présenter. Ah, non, arrête les conneries. Je te jure. C'est vrai. Ah, c'est pas vrai. J'ai un ami à moi ici. Ah, il est là. Ici, il est dans la salle. Ouais. Tu veux dire, il est là, là, il est dans l'assistance. Putain, ah bah, non. Attends, bah, il faut qu'il rencontre. Il n'y aura rien, il n'y a ni signe, ni rien. Tu vois ce que je veux dire? Je veux qu'il y ait juste une atmosphère qui se crée, tu vois. Ah, tu veux dire de doute? C'est-à-dire, mais de qui? Il y a un ami à moi, il m'a dit, Marion, moi, elle me plaît. Moi, de toute façon, je sens une tension depuis le début. Il y a une tension sexuelle. Il y a une tension sexuelle dans ce problème. Le problème, c'est que tous tes potes sont en train de vomir ou de tourner le dos. C'est ça, ils ont pas l'air très concernés en même temps. Il y en a un qui regarde chelou là derrière. Ouais, la vitre. Après la pub, on fera un petit jeu pour savoir lequel de mes potes est avec, serait le prochain mec de Marion. D'accord. J'ai vraiment hâte de vivre ce jeu, tu vois. Je pense que ça va être un grand moment. Bon, nous, on s'amusait à faire un petit truc. En fait, on a enregistré ça parce que c'est un truc qu'on aime bien faire de temps en temps. C'est un délire. En fait, Anso se fait passer pour une stagiaire d'une radio qui n'existe pas, à savoir Radio Gasconne. D'ailleurs, il faut qu'on vérifie que ça n'existe pas, Radio Gasconne. Ça se trouve, ça existe. Hein. Et en fait, elle appelle des gens au hasard et elle leur dit voilà, je suis dans la merde. Bon, bah là, elle a choisi Kev Adams. Elle a dit Kev Adams devait faire une interview pour moi. Il m'a planté. Est-ce que vous pouvez le remplacer? Je vous en supplie, sinon je vais me faire virer. Donc, forcément, on a un florilège de noms. Il y a beaucoup de gens qui nous disent non, qu'on va écouter dans un instant. Mais tu verras, on a quelqu'un qui a dit oui et qui s'est fait passer pour toi. C'est énorme. Mais déjà, on écoute le refus parce que bon, c'est vrai qu'on en a eu. Hein. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Anne-Sophie, je travaille pour Radio Gascogne. En fait, je vous appelle parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de votre aide. On est censé recevoir Kev Adams en interview au téléphone, sauf qu'il vient de me planter. Est-ce que je peux vous poser des questions et vous faites passer pour Kev Adams? Non, mais vous plaisantez ou quoi là? Bah, bien sûr que non, monsieur, je plaisante pas. Vous croyez où là? Au revoir, madame. Mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Je peux pas répondre à la place de quelqu'un d'autre, moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais, mais genre, par exemple, je vous pose une question et on va voir si vous pouvez y répondre. Kev Adams, bonsoir. votre prochain spectacle sera en danois. Pourquoi avoir choisi cette langue? Je vais pas vous répondre, madame. Je prendrai pas la personnalité de quelqu'un d'autre. Je suis désolée, je vais pas vous répondre. C'est dommage. Si vous l'avez pas eu, il y a une raison. Il a eu un empêchement. C'est dommage parce que vous aviez vraiment la même voix, quoi. Bon, ben je vous souhaite une bonne soirée, madame. Peut-être une autre question, non? Non. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Par exemple, on sait que bientôt, il va partir en tournée dans le monde entier. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bon courage. Et du coup, je voudrais savoir comment il fait pour ses bagages. Non, ça m'intéresse pas, madame. Et j'attends un coup de téléphone important, je suis désolé. Je ne sais même pas qui c'est, Kev Adams. Ah, ben vous savez, c'est celui qui joue dans Soda, tout ça. Là, il va sortir un film bientôt. Non, je peux pas vous dire non. Mais, ça va me sauver, monsieur. Je vous jure, mon patron, il va me virer. Je vous remercie bien d'avoir appelé. Voilà. Donc là, c'est tous les gens qui nous ont dit non. Et à force de le faire, je crois qu'on a fait quoi? 2h30 d'enregistrement? Ouais, 2h30. On le voulait. Hein. Ah ouais. On a eu un mec assez gentil pour accepter. Tu vas voir, les questions sont complètement barasses. Il a joué le jeu. Il est juste magnifique. On écoute, c'est le faux interview. Allô? Allô?
Ouais. Oui, allô, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Anne-Sophie, je travaille pour Radio Gascogne. Ouais. Et en fait, je me permets de vous appeler parce que, bon, c'est un peu chelou, mais je vous explique. Je devais avoir Kev Adams en interview, mais il vient juste de me planter. Il a un énorme empêchement, sauf que moi, si je ne rends pas une interview, mon patron va me virer. Est-ce que je peux vous poser juste 2-3 questions et vous vous faites passer pour Kev Adams? Mais même si c'est des réponses très courtes, quoi, genre. Hein. Quoi? Alors, je ne comprends pas trop, là. Je fais... C'est quoi, là? C'est radio quoi? Radio Gascogne. Voilà, c'est une petite radio. Kev Adams sort un film la semaine prochaine. Et moi, si j'ai pas son interview, c'est mon emploi qui est en jeu, quoi. Ok, non, mais je pense qu'il y a une erreur là, parce que moi, j'ai rien à voir avec Radio Gascogne et je connais pas Kev Adams. Donc, en fait, vous allez voir, je vous propose. Je sais que c'est un petit effort et tout ça, et que je sais que la majorité des gens ne veulent pas mentir, mais vraiment, moi, j'en ai vraiment besoin, vous voyez. Qui est d'ailleurs de stagiaire, j'ai des stagiaires aussi, je compatis. Ah, bon, bah, voyez, on a finalement, en creusant un petit peu, finalement, on se trouve des petits points communs. On va faire comme si vous étiez Kev Adams, on va se laisser porter, d'accord? Ok, allez, c'est bon. Kev Adams, bonsoir. Bonsoir. Alors, Kev, tu vas sortir. Bonsoir, Radio Gascogne. Bonsoir. Et Kev, tu vas sortir ton film Love Addict cette semaine, avec Mélanie Bernier. Film vraiment à aller voir. Je vous encourage, vous tous, auditeurs de Radio Gascogne. Mais Kev, surtout, on sait que tu as fait Aladdin. Et alors, il paraît que tu as prévu d'adapter La Petite Sirène sur grand écran. Mais alors, la question, c'est pourquoi avoir choisi le rôle d'Ariel? Ben, parce que j'ai toujours adoré les poissons. D'accord. Et ouais. Et puis, depuis que j'ai vu le monde de Nemo, en fait, j'ai toujours rêvé de faire un poisson. D'accord. Et voilà. Et puis les sirènes aussi. Bon, j'ai une passion pour les sirènes, mais D'accord. C'est quelque chose d'assez fantasmagorique. Mais... D'accord, ok. C'est rigolo, en plus, ce mot fantasmagorique, pas facile à placer. Du coup, Kev, dans ton film Love Addict, c'est vrai que tu affiches un corps hyper galbé, t'es super bien foutu. Il paraît que c'est parce que tu as suivi un régime à base d'oursin et d'urine de lapin. Et est-ce que c'est vrai? Alors non, c'était une doublure, en fait. Ah. Mais j'aurais bien aimé. Ah d'accord, donc c'est pas vraiment ton corps. Non, non. Non, non. D'accord, je ne vais pas vous montrer rien, mais... Ça ressemble pas trop à ça. D'accord. Kev, du coup, c'est vrai que on te connaît surtout humoriste. Hein. Tu es notamment monté sur scène avec ton spectacle avec Gad Elmaleh. J'ai lu dans plusieurs journaux que tu avais une aventure pendant un an avec Gad. Est-ce que du coup, tu peux confirmer aux auditeurs de Radio Gascogne? Je suis désolé que tu sois exposé au grand jour, mais oui. D'accord. Désolé pour Gad, hein, mais moi je déteste cacher les choses, je suis plutôt au franc jeu, et oui, effectivement, et d'ailleurs ça continue, mais je sais que ça se passe comme ça, j'aurais mieux officialisé les choses différemment, mais. D'accord. Effectivement, je suis en couple avec Gad Elmaleh. D'accord, c'est super, ça c'est une belle exclusivité pour Radio Gascogne. C'est super. Franchement, merci beaucoup Kev, en tout cas, d'avoir accepté cette interview pour Radio Gascogne. Et franchement, t'es le bienvenu quand tu veux dans les locaux. On est vers la place avec de l'église. Ah ok, j'adore. Super. Merci Kev. Mais je vous en prie. Bisous. Allez, au revoir. Au revoir. Bye. Merci beaucoup, monsieur. Allô? Merci, monsieur. Merci de m'avoir aidé, monsieur. Mais je t'en prie. Merci beaucoup. Hein. Avec grand plaisir. Merci, bonne journée. Comme vous voulez. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Et il n'est pas extraordinaire. Oh là là, c'est non, génial. Non mais attends, pousse, c'est un vrai gars. Sur ma vie, 2h30 pour le trouver. Et franchement, on était fiers, mais il est adorable. Il a joué le jeu, il a répondu à des questions, mais improbables. T'imagines jouer le rôle de quelqu'un, enfin, se faire passer pour quelqu'un avec des questions comme ça, hyper absurdes. Je trouve que le gars, il est hyper fort. Moi, je sais pas ce que j'aurais répondu. Parce qu'il réagit quand même assez vite, même si il prend pas trop le temps de la réflexion, il va vite dans le truc. Mais il dit n'importe quoi. Si c'est un vrai gars, bravo. Je te jure que c'est un vrai gars. On te le jure. Oui. Non, franchement, non. Ah non, ça me fait de la peine. Parlez, vous deux, là, parlez un peu. Non, mais c'est vraiment un vrai gars. Moi, je travaille pas ici. Non. Franchement, je te promets, si tu veux, on retrouvera le numéro, on l'appelle en direct, mais je suis pas sûre que.
On est encore le numéro, faut que je regarde au standard, mais vraiment, et si tu veux. Il est taquin, hein. Ah, je suis taquin. Il est taquin. Ouais. Non, taquin. On a un doute encore. Je me dis, le gars, il est trop fort. T'as compris? Il monte un truc, il fait les bonnes réponses. Un vrai gars, il a honte quand même un peu, non? Moi, je pense que tu vois, après Radio Gascogne, peut-être qu'il, peut-être qu'il savait que c'était un piège, tu vois, mais en tout cas, il était dites-moi, très bon. Dites-moi, vous, Kev Adams, est-ce que Gad Elmaleh et Kev Adams, ils sont ensemble? Bien sûr, enfin, ils étaient ensemble et puis il y a eu une petite rupture à un moment pour des histoires de. Non, c'est pas toi. Dites-moi, est-ce que Kev Adams et Gad Elmaleh, ils sont ensemble? Bah oui, en fait, ils sont ensemble depuis bien maintenant une semaine. Non, c'est pas lui. Pourquoi non tu parles comme ça, toi, d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu essayes de nous prouver? Non, rien du tout, en fait. Rien du tout. Et Kev, il pense qu'on est quand même assez con pour mettre un gars de notre équipe au bout du tout du téléphone, non? Bon, ça vous a fait marrer? C'était très marrant. Oui, ça nous a fait. Bah, la vérité, c'est que ça nous a fait vraiment marrer. En réalité, vraiment, je te cache pas que l'après-midi a été très longue pour enregistrer ouais, ça. Chaud. Ah ouais? Ah, bah, j'ai chaud, quoi. Mais c'est pour ça que vous en voudrez pas si à la fin, il y a quelqu'un de l'équipe qui a. Mais je te jure que non. C'est ça. Bordel! Plus, il est quand même un petit peu fouille-mère, parce que quand même, il dit oui, oui, j'ai bien une histoire avec Gad et tout. Il a envie quand même un peu de créer du buzz. Ouais, le gars, il lancerait une rumeur. Ouais, il lance la rumeur en assumage et tout. Mais c'est, peut-être, et si c'est ça, vous avez trouvé un champion, bravo. Eh ben, ah ouais. Eh ben, franchement, on n'est pas peu fiers, donc merci. On a une question qui nous vient de Créteil. Ah, qu'est-ce que ça raconte du côté de Créteil? Avec Chloé, cette bonne vieille Chloé. Bonsoir, Chloé. Bonsoir. Salut Chloé. Bonsoir. Alors, j'ai une question pour vous deux. Oui. Et donc, c'est est-ce que vous croyez au coup de foudre? Oh, beurre, c'est mignon ça. Oui. Oui. Bah, bien sûr, pourquoi pas. Bah, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des coups de foudre? Est-ce que vous y croyez ou non? Vous êtes plus sur il faut une solidité dans la relation pour tomber amoureux? Oh non, il n'y a aucune théorie. Je crois que l'amour, ça prouve bien quand on écoute les gens autour de nous qu'il n'y a pas de théorie, il n'y a pas une manière d'aimer, de tomber amoureux. Donc voilà. Et après, moi, quand j'étais toute jeune, ça m'est arrivé d'avoir un coup de foudre au Festival d'Avignon où j'étais juste spectatrice. Et j'ai croisé la route d'un jeune homme comme ça, et vraiment, on s'est regardé. Et, il s'est passé un truc de fou. Et le soir, il m'invitait à dîner. Pourtant, j'étais jeune, donc ça devait peut-être plutôt être boire un verre. Et c'était un de mes premiers baisers. Tu te souviens de ça? Ouais. Tu te souviens de ça de nous deux? C'était pas la toi. Lourdeur. Mais je pensais pas qu'elle allait souvenir. Mais en vrai, c'était un coup de foudre, vraiment, je pense, des premiers émois amoureux, parce que ça n'a pas vraiment duré l'histoire. Mais l'envie un peu d'avoir le coup de foudre comme ça, je sais pas. Et ben, et Chloé, ils y croient complètement, tous les deux, ils sont à fond. Mais la vraie question, Chloé, c'est est-ce que toi, tu y crois? Oui. Ah, c'est un petit oui. C'est un petit oui, ça c'est une Chloé qui n'a pas encore connu le coup de foudre. Ah, ça c'est Chloé à qui on a piétiné le cœur. Ou alors peut-être qu'elle le vit et qu'elle n'ose pas se dire que c'est peut-être ça. Elle a 17 ans. 17 ans Chloé? Elle a le temps. Bah, t'as le temps pour vivre le grand amour là pour l'instant, c'est pas encore. Oui, c'est vrai. Tu mais coup de foudre n'est pas grand amour. Ouais, c'est vrai que ça ne va pas forcément ensemble. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas la même chose. Bah, je vous propose un très grand débat là-dessus. J'ai l'impression que c'est vraiment une discussion de filles dans laquelle je n'aurais pas dû m'immiscer. Moi j'aime bien. Ah non. Bon, Chloé, en tout cas, laisse-toi vivre. Tu vois, laisse-toi aller, laisse-toi vivre. Plein mais doucement avec laisse-toi aller quand même. Reste chez toi, t'as 17 ans, tranquille, tu vois. Non, mais doucement, protège-toi, mais laisse-toi vivre. C'est bien d'avoir plein d'expériences. Attention, quand elle dit protège-toi complètement de tout avec une maison. On se protège avec une maison. On se protège avec une maison sur soi, Chloé. Et éventuellement une armure. Hop, exactement. Là. Nickel. Chloé, on t'embrasse, ma chérie. Par contre, je voulais dire quelque chose. Vas-y. Oui. Si c'est possible, en fait, je voulais dire à Kev que je l'aime très fort et mon amie qui s'appelle Tiffany, elle t'aime très fort aussi. Bah, c'est très gentil. Bah, je t'embrasse, toi, Chloé, et ton amie Tiffany. Voilà. Et merci, gros bisous. Et moi, je. Oh, don't you stay with me. Alors, ça, c'est tout, Kev. Il part au quart de tour une fois showcase. Ouais. Et moi, je voudrais dire à Mélanie que je l'aime très fort aussi. Moi aussi. Oh, wow. Merci, c'est gentil. Voilà, comme ça. Stay. Et quitter parfait. Mais non, tu changes trop vite, on va pas chanter. Bon. Chloé, on t'embrasse, ma chérie. Elle est déjà partie. Tu sais, Chloé, là, ça fait longtemps qu'elle a quitté le débat. Continue avec vos questions 01 42 48 5000, hashtag Le Night Show. Et dans un instant, on va parler addiction. On vous a réservé quelque chose. Ah, moi aussi, je t'ai réservé quelque chose, n'oublie pas. Ah oui, c'est vrai. Ah, bah, oui. On va passer dans un instant. J'ai ma rubrique qui s'appelle À la recherche du cum de Marion. Exactement, on vous rappelle qu'a priori, le prochain cum de Marion est caché dans ce studio, mais on ne sait pas. Il est ici. Mais on va passer par un petit jeu hyper sympa. Et c'est ma cam ou pas? C'est grave ta cam. Mais t'en sais rien. C'est ça. Écoute-moi, fais-moi il confiance. Il a un peu de vin. Bon, bah continue, hashtag Le Night Show, The Wicked. C'est ce qu'on va s'écouter dans un instant. Attends, si ta cam, c'est ce qui est disponible, Marion. Respecte-moi. Je rêve. Je plaisante. Oh, c'est excitant. Dans un instant, je vais donc perdre toute dignité. Restez là, on est en direct sur Fun.
a giflé avec ses nichons. T'appelles ça comment, toi? Des giflons. Pour fêter ça, Kev Adams et Mélanie Bernier sont dans le Night Show de 22h à minuit sur Fun Radio. Et il faudra aller voir ce film mercredi prochain, Love Addict, un film de Franck Belloc, je le dis bien. Exactement. Il Franck a fait Belloc. Quoi d'autre, Franck Belloc? Je ne connaissais pas. Il a créé la série Soda. Ah, donc vous connaissiez quand même super bien Franck. On se connaît depuis longtemps, ouais. Il a également créé la série Working Girl sur Working Canal. Girl. Il a écrit beaucoup pour Groland aussi. Pour Groland toujours aussi, exactement. Et puis il a écrit beaucoup d'épisodes de Soda aussi. Donc voilà, quoi. C'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler. C'est Francky, quoi. Il y a une c'est bonne Francky. Entente, quoi. On l'adore. D'accord. Bon, bah, on a encore des questions pour vous. Et les Mélanie amis. Le connaît depuis moins longtemps. Ouais. Et pourtant, elle est tombée aussi. Elle a une Franquite aussi, comme moi. Mais tous les gens qui croisent le chemin de Franck deviennent Franquite. Ouais. Vraiment. Bah, il aurait dû venir ce soir. Ah ouais, vous l'auriez très bien. Il est très drôle. C'est à cause de Julien Saunier, l'attaché de presse. Mais qu'est-ce qu'il est chiant, Julien Saunier. Ça, c'est tout Julien. Ça. Non, quand même. Il nous bride comme ça. Bon, Margot a une question pour vous. Elle est du côté de Marly-la-Ville et j'ai foutrement aucune idée d'où c'est. C'est quand même l'occasion finalement de voyager. Bonsoir, Margot. Bonsoir Kev. Salut Margot. Salut, je t'ai vu à Aéroville. Il y a quelques jours, là, il y a deux jours, tu m'as vu. Ouais. Exactement. Et j'avais une question pour vous deux. Alors, c'était combien de conquêtes avez-vous eues dans votre vie? Ça, c'est une super bonne question. C'est une très bonne question. Alors, Kev, réponds-nous en toute sincérité. Qu'est-ce que tu appelles une conquête, Margot? Comment? Non, rien. Une fille avec qui il y a eu. Quel âge tu as, Margot? J'ai 22. Ok. Qu'est-ce que t'appelles une conquête? Oh, et... l'amour, tout ça. Ah, c'est une vraie histoire. Non, nous on veut tout. Combien de femmes as-tu conquis? Non, Margot, moi je vais rétablir des règles. Combien de meufs tu as eu dans ta vie? Ça a compté ou pas compté, quoi? C'est ça qui nous intéresse. D'accord. Attends, une fourchette. Combien de femmes as-tu dans ta vie, tout ça? Je dirais une dizaine. Mais quel mytho! Mais n'importe quoi! Margot, on n'écoute les écoute pas, Margot. Ça ils ont perdu leur âme d'enfant, Margot. On les écoute pas. Non, mais franchement, tu pourrais assumer quand même. Il faut une dizaine. On parle d'histoire d'amour, les gars. Là. Non. Meuf que t'as pécho pris. Hein? Meuf que t'as pécho. Meuf que j'ai pécho, une vingtaine. On est sur une vingtaine. Je suis sûre que Mélanie sera beaucoup plus sincère. Deux. Mais hein non. Non, bah non. Ah, ça fait peur. Ah oui, mais bon, comme tu nous as dit tout à l'heure, pas tes coups de France Inter. Qu'est-ce qui arrive à celle-ci? Ah oui, alors parce qu'on écoute France Inter, nous n'avons pas de vie intime. Nous confondons quand même pas les choses. J'écoutais Skyrock, hein, plus jeune. Moi aussi, j'étais une racaille. Bref, moi je sais pas, j'ai pas trop compté. Bah, à peu près 10, 20, 30. Et... 70 En vrai, en règle générale, quand on fait en ça, vrai, je sais pas ce qu'il y a quand même. Ouais. Bah, tu sais quoi, Anso, montre-leur l'exemple. Combien t'as eu de conquêtes? Ouais. Moi, c'est vrai qu'avant de trouver l'âme sœur, j'ai beaucoup profité. Hein. Bah vas-y, on te demande un chiffre. Fait... Pourquoi tu commences à tourner autour du cou là? tu vois, c'est ça. Je sais pas, en vrai, je dirais une trentaine. Ouais, bah, tu rajoutes 10. Voilà, bah voilà. Et bah, moi, une vingtaine, pareil. 20-30, pardon, mais c'est un peu kiff-kiff. Ouais, moi, j'y crois pas, mais voilà, Margot, tu te feras ton propre avis. D'accord. Et je voulais dire un truc à Kev Adams. Oui. Et je t'adore fort et t'es le meilleur comédien acteur. Merci, c'est trop gentil, Margot. Je suis trop heureux d'être le meilleur comédien acteur. C'est trop mignon, et comment tu le dis. Je voulais que tu fasses une dédicace à Laura qui t'adore. Eh ben, je fais une dédicace à Laura. Merci. C'est basta suna cata pantone. Laura. Il a envie d'un karaoké. Margot, on t'embrasse. Bisous. Au revoir. Bisous, Margot, on t'embrasse fort. Bon, merci, toi aussi. Kev, moi j'aimerais qu'on continue sur le Marion Gate. Enfin, pas le Marion Gate. J'aimerais mais... bien. J'ai préparé ma rubrique, vous me dites juste go Kev rubrique, et c'est parti. Go Kev rubrique. C'est vrai, c'est sûr. Ouais. Vraiment. Tu veux un jingle? Marion, elle a un petit, je veux bien petit jingle. D'angoisse. Tu me lances un petit jingle? Non, mais c'est Thibault. Les amis, vous êtes en direct. Sur Fun Radio et on va tout de suite trouver un mec à Marion. Allez, on va tout de suite trouver un mec à Marion. Mais faut qu'Enzo fasse le jingle à la bouche. Il y a alors vas-y, attends, Enzo. C'est quoi le truc? C'est genre un mec pour Marion. Ok. 3, 4. Il faut trouver un mec pour Marion. Ah bon? Il est ici dans la salle. Dans la salle. C'est pas ça. C'est vrai. Voilà. Bon, voilà, fin du jingle. Voilà. Le jingle du tout, en fait. Le jingle, il est exceptionnel. Si vous débarquez sur Fun Radio, je vous rappelle que Kev m'a dit que quelqu'un qui était venu avec lui, a priori. J'allais rappeler les faits. Eh bien, vas-y, poursuis. Alors. Vous êtes toujours. Vous écoutez Marion et Enzo sur Fun Radio. Ici, Kev Adams. Et ce soir, nous avons inversé les rôles. Pourquoi? Parce que c'est Marion qui rougit en ce moment même. Ah, bah là, oui, je comprends.
amené trois beaux garçons avec moi qui ont tous entre 25 et 32 ans. Et ces trois garçons vont se succéder à présent au micro. Ils auront chacun... Ah oui. Et laissez-moi expliquer les règles, madame. Ils auront chacun 20 secondes pour te convaincre que c'est lui ou lui ou lui le futur, homme de ta vie. Yeah. Celui qui t'emmènera à Paris ou même... voir Vivaldi. Yes. D'accord. D'accord, mais les trois candidats s'appellent David. Oui. Oh, ouais. Oh my God. David. Lenny. D'accord. Et Jonathan. Yeah. Je vais appeler le premier. Il aura 20 secondes pour te convaincre que c'est lui le futur homme de ta vie. Aussi. Et tu devras choisir à la fin, Marion. Et t'es sûr qu'il y en a un qui est vraiment chaud parce que il y en a un qui est vraiment si chaud. C'est une blague à la fin, je me tape. Je te jure qu'il y en a un qui est vraiment chaud. Vas-y. C'est pas une vanne. Vas-y, vas-y. Yeah. Qui est le premier? C'est Jonathan. J'adore ce jeu. Bonsoir, bonsoir. Jonathan, tu vas avoir 20 secondes. Quand je dis top, tu me dis on peut, okay. On peut m'appeler John, c'est bon. On peut t'appeler John. John. Bonsoir, John, tu as 20 secondes. Top. Alors, pourquoi c'est moi que tu dois choisir, Caroline? Je déconne. Parce que j'ai de l'humour déjà. Marion, je suis venu dans le studio, pas non seulement pour accompagner mon ami, mais surtout pour te voir. Voilà, le Night Show, j'en avais entendu parler déjà, parce que tout le monde la connaît, cette émission, Marion Enso. Moi, je t'avais googlisé, j'ai craqué, j'ai eu envie de voir si t'étais la même en vrai. Je te choisis pour toi. Mais, là, mais il faut savoir si c'est lui. Faut pas John, ça fait 20 secondes, merci beaucoup. On peut applaudir John. Je l'ai trouvé convaincant. Marion, Marion, donne-moi un tout petit peu plus de temps après l'émission, je t'en supplie. Il a l'œil. On y croit. Il a l'œil. Hein. Il était à fond, mais attention, j'ai de très bons candidats. Ah. On appelle tout de suite le deuxième candidat, et c'est David. On applaudit. Yes, yes, yes. David. Et alors, David. Je pense que c'est pas David, parce que David, j'ai déjà croisé plein de fois avec toi et tu me l'aurais dit bien avant. Non, pourquoi je te l'aurais dit? Mais justement, non, justement, je suis pas une balance. Tu m'as croisé plein de fois. Attends, tu commences, tu grades un peu de temps. Attention, on a 20 secondes pour David. Top, c'est parti. Justement, déjà bonsoir Marion. Écoute, j'allais dire, tu m'as croisé plein de fois avec Eve. Et là, aujourd'hui, j'ai expressément sorti le petit costume. Comme tu peux voir, les deux autres sont venus un peu en tenue. Bon, c'est vrai. Ils sont venus accompagner Eve. Moi, je suis venu exprès pour ça. Et je t'avoue que j'ai aussi une passion pour les franges. Et je tente. Et j'espère que tu vas m'apprendre à faire ça. Voilà. J'ai pas plus de mots à part. J'espère à tout à l'heure pour ces petits cours particuliers. Ah, et si je peux me permettre. Kev nous proposait des voyages, des Vivaldi, et là il veut que tu lui apprennes à faire la frange. Est-ce que rigolo, rigolade. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de poser une question? Tu as le droit. Alors, attends, c'est en deuxième étape de la rubrique. D'accord, putain. Et le troisième et dernier candidat, Lenny. Lenny, beau gars. Bravo Lenny. Je suis très gênée quand même. Salut Lenny. Tu as 20 secondes pour déclarer ta flamme à Marion et prouver que c'est toi, le futur homme de sa vie. Top, c'est parti. Bon, Marion, je pense que là, tout de suite, vu nos regards, comment ils sont échangés, et l'attitude que tu viens d'avoir prouve que le coup de foot que moi j'ai eu pour toi est réciproque. Et c'est pas un hasard, parce que je pense que nos yeux pétillent quand on se regarde. Je pense que tu vois ce grain de beauté, j'ai envie de me lever tous les matins et de le regarder et de dire, Anso, je suis désolé, mais je t'ai pris ta coéquipière et je vais lui faire faire le tour du monde. Avec le tour du monde, pas mal. Ouais. Ah ouais. Vous êtes toujours dans. Ils sont forts. Vous êtes toujours dans. C'est il faut trouver le mec de Marion dans le studio. C'est le mec de Marion qui est dans le studio. Elle va choisir dans un instant. Elle aura qu'un seul choix, c'est le Uno. Alors. Dis-la. Ils sont tous les trois très convaincants. Marion. Oui. Un de ces trois hommes a été extrêmement sincère quand il t'a parlé. D'accord. D'accord. Est-ce que tu veux dès maintenant dire je pense que c'est David, Lenny ou Jonathan? Ou est-ce que tu as envie, il y a cette option également qui est possible dans notre émission, la possibilité de poser une question à chacun? Je vais poser une question à chacun. Tu prends la question à chacun? Oui. Elle prend le joker, la question à chacun. Jingle. C'est la question d'un chacun. La question à chacun. Joker. Yeah, c'est bon, c'était super. Faut qu'on revoisse les jingles, les gars. Très bien, et bien je vais demander aux trois candidats de s'approcher. Venez. Alors, je vais commencer par David. David, asseyez-vous, vous avez été choisi par la reine Marion. Ah, tu fais pas dans l'ordre? Non. Ok. Ah, dans l'ordre de ses préférés, en tout cas. Non. D'ordre. Tu peux partir, mec. Hein. Y a pas d'ordre. Non. Ciao. Non, David, pourquoi, alors qu'on s'est croisé plein de fois, comme par hasard, tu aurais craqué maintenant, mais pas avant? Quel a été le déclic? Parce que je suis hyper timide et justement, il me faut un petit peu de temps pour justement tu voilà, me forcer à, et c'est pas lui. À avouer mes sentiments. C'est pas lui.
Pardon, mais je pense qu'il ment. C'est un mythomane. David, merci. Vous pouvez vous lever. J'ai posé une question à John. Tu appelles John. Allez, voilà. John. John, vous êtes toujours dans Marion et Anso à Miami avec les Marseillais. Franchement, Marion, elle me fait péter une câble. Elle me fait péter une câble. Quand tu m'as, Jonathan, vous avez le droit de vous taire. Marion, on vous écoute. Quand tu m'as googlisé, t'es tombé sur quoi en premier? Alors, je suis pas tombé tout de suite sur toi. Je suis tombé sur des photos d'une Marion qui a fait la radio très longtemps. Et puis après, c'est en voyant la photo d'Anso que j'ai compris que c'était vous deux qui étiez là ce soir. Voilà. Donc t'as tapé Marion Fun Radio et t'es pas tombé sur moi? J'ai tapé, non, pas tout de suite. C'est nul. C'est bizarre. C'est nul, c'est pourri, pas lui. Ça. Je le sens pas, c'est pas lui. Alors plutôt que de me poser des questions, tu veux pas juste voir la façon dont je te regarde, peut-être pour te. Non, non, mais parce que si jamais, franchement, notre relation doit se jouer à une recherche Google, c'est tellement dommage. Ouais, mais t'es comédien, donc moi j'y crois pas au regard. Comment tu sais que je suis comédien, toi aussi tu m'as googlisé? Je t'ai déjà vu. Jonathan, dans ça suffit, tu dégages. Marion, je t'aime, moi. Non, bah du coup, alors je pense. Léni, on t'appelle. Je pense que c'est Léni, alors. Ah, Léni, attends, on pose pas de questions. Bah viens, je vais trouver une question. C'est toujours lui qui ken. Mais non, mais vous me demandez lequel je pense qui a vraiment craqué. J'ai pas dit que c'était celui avec qui je voulais ken. On est d'accord. Et d'ailleurs, je veux ken avec personne. Excusez-moi, non. Marion à la dalle. Ah oui. Okay, je peux Marion vient de dire clairement, j'ai pas dit que c'était celui avec qui je voulais ken. Et je veux pas ken du coup, du tout. Mais arrête. Elle veut une histoire d'amour. Laisse tomber, c'est pas moi, Marion. Et Léni, qu'est-ce que... John vient d'avouer sa défaite. Il est éliminé du jeu. Restent les finalistes David et Léni. Qu'est-ce que... Qui des deux remportera le cœur de Marion et tout ce qui va avec? Qu'est-ce que, à part mon grain de beauté que tu as joliment souligné tout à l'heure, qu'est-ce que tu aimes vraiment chez moi en fait? J'ai pas compris. Je trouve que t'as un parfait alliage du sens de l'humour et de la grâce. Et en plus de ça, tu m'as l'air tout à fait intéressante, intelligente, et je me dis que tout ça est une bonne combinaison pour quelqu'un. C'est dommage que tu sois célibataire encore si longtemps. Il va ken. Je pense que c'est le plus convaincant. Moi aussi. Ouais, tu choisis Léni? Je suis sûr que c'est ton final choice. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que Simon, c'est terrible parce qu'on a envie que ce soit lui, tu vois, parce qu'il dit des belles choses. Bah oui, mais justement, c'est trop pour moi. Moi, j'y vais pas, c'est trop. Je me disais, oulala, il est trop parfait son discours. Attends, mais j'ai pas dit que j'avais envie d'y aller là. C'est pas ça le jeu. Non, mais là, tu choisis. Je rappelle les règles du jeu. Celui que tu choisis rentre avec toi ce soir. Non, non, c'est pas ça le jeu. C'est qui a vraiment craqué? Moi, je pense que c'est lui. Ou alors, sinon, il est fort. Tu penses que c'est Léni? Eh bien, les trois vont revenir et vont te dire chacun est-ce que c'était moi, est-ce que c'était pas moi, est-ce que c'était moi. C'est ce jeu, il est venez, super. Venez, venez. Et la troisième, moi, si tu veux, tu peux me poser une dernière question, c'est mon numéro de téléphone. Oh là là. Mec, je veux bien, mais tu vas le donner à l'antenne et je vais pas être la seule à t'appeler. Hein. Allez. Alors, si tu veux vraiment... Je réfléchis encore. Appelez ses auditeurs, tu peux l'écrire sur ce papier. Bon, moi, je pense qu'il faut qu'on arrive au dénouement. Moi, je ne tiens plus. Je suis d'accord. Dénouement. Il y a trop de suspens. David. Ah, c'est pas David. Je connais mon David. Est-ce que c'était vous, David? Alors j'avoue que même si on a tous un peu craqué sur toi, c'était pas moi le grand gagnant. Ah. Ah. Bravo, David. Bravo. Bravo. Ça fait un peu de peine, Marion. Je le trouve trop chou de gentillesse. Ouais. C'est mignon, ça, c'est gentil. Bah oui. Ouais. Non, il en a rien à foutre. Alors, qui? John. John. Et John, c'est un beau parleur. Ouais, mais c'était lui, c'est sûr. C'était lui. Ouais. C'était moi, Marion. Oh. John, clairement. C'était pas moi, Marion. C'était pas moi, Marion. Bah oui, moi, je me disais, oh, mince. Ouais. Et non, bah c'est toi, Mélanie, que j'aime. Donc j'avais raison. Ah bah du coup, bah, alors, suspense alors... incroyable. L'animateur de merde. Bah alors attendez, on vous rappelle, parce que là, ça va devenir gênant. On vous rappelle quand même, si vous débarquez sur Fun Radio, que Kev Adams et Mélanie Bernier sont notre invités. Que Kev nous a avoué que quelqu'un dans ce studio qui l'accompagnait à cette soirée était en kiff sur Marion. Nous avons passé de nombreuses étapes et nous allons découvrir qu'il s'agit de... Léni. Léni. Eh bien, je suis flattée. Vous êtes toujours sur Gênance Radio. Voilà.
C'est très très gênant et je vous propose d'apprendre à découvrir Lenny pendant The Weeknd. Le si ça va tout le monde. Le bisou. Ça va toujours trop loin là. Évidemment, il n'y aura pas de bisou tout de suite ni en privé, mais regarde ce que je propose, Marion. Oui, dis-moi. Je crois qu'il y a toujours ton numéro. De l'époque quand je faisais de la radio, quoi, t'as compris. Que les auditeurs ne prennent. Alors donc, j'ai toujours ton numéro. Oui. Donc je peux le donner discrètement à Lenny et on n'en parle plus. Oui, tu sais, je suis là. Hein. Si j'ai envie de le donner, je le donnerai. Hein. Ah, tu me clashes en plus? Non, mais. Attends, la fille, je lui amène un mec en Deliveroo. Je lui amène. Excuse-moi, Deliveroo. C'est vrai que là, c'est un petit manque de délicatesse. Bon, ok, on en parle pendant le disque. Il faut que je réfléchisse, c'est trop d'émotions là. Allez, ça on marche. Vient juste après The Weeknd sur Fun Radio. À tout de suite. Sur Fun Radio. Le film sort la semaine prochaine. Petite question pour vous deux. Il n'y a pas eu trop de fou rire avec Marc Lavoine, parce que quand même, il a un rôle assez barasse, assez exceptionnel. Ouais. Moi, j'aurais pas pu garder mon sérieux. Et je crois que les gens qui écoutent cette émission doivent se dire, ça doit être des schizophrènes dans le studio. Parce qu'on est parti avant la musique, là, en énorme ambiance. Ouais. Bah oui, et on est revenu en télé 7 Mac. En fait, j'imagine qu'avec Marc Lavoine, il y a eu beaucoup de fou rire. J'essaye de noyer le truc, tu vois. Non, mais c'est vrai. Pour te répondre, en tout cas, oui, il y a eu beaucoup de gros fou rires avec Marc Lavoine. Et pour, j'ai pas envie de dévoiler le truc pour les gens qui n'ont pas vu le film encore, c'est-à-dire à peu près toute la France. Mais c'est vrai qu'il a un personnage qui est hilarant et je le trouve brillant dans ce film, vraiment. Et on l'a jamais vu comme ça. Bah, c'est ça le truc. En jamais. Plus, ouais. Franchement, les gens qui l'adorent dans le cœur des hommes, parce qu'il a un personnage un peu sympathique, de séducteur, etc. Mais là, c'est poussé fois 100, donc ils vont encore plus l'aimer. C'est génial c'est ce qu'il fait dedans. Il est formidable dedans. Ouais. D'accord. Et bien, si vous le voulez bien, on continue sur l'autoroute des questions avec Aurélie. Il n'y a pas de problème. Elle est à Nice. Ça va, Aurélie? Oui. Ah, bonjour. Bonjour. Salut Aurélie. On t'écoute. Salut Aurélie. J'ai une petite question pour toi. Bah, je t'écoute, ta petite question. Par rapport à la ceinture électrique que tu mets dans le film, est-ce que tu reçois une petite décharge? Quand non. Même, parce que tu joues hyper bien. Hein. Bah écoute, merci de t'être surprise que je joue hyper bien. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a un délire avec, on va pas trop en dire, mais avec une ceinture qui envoie des décharges électriques. Bah, c'est dans la bande-annonce, exactement. Et Aurélie, en fait, non, il n'y a pas eu de vraies décharges, puisque c'est ça. C'est fou comment tout le monde a envie que ce soit des vraies décharges. Bah ouais. Eh oui, parce qu'en fait, finalement, la douleur mignonne chez quelqu'un, ça fait rire, hein, les gens. Évidemment, mais là, c'était pas des vraies décharges pour une. Une raison assez simple, figure-toi Aurélie, c'est que comme on vit en France et que c'est interdit d'électrocuter les gens, eh ben on a dit on n'électrocute pas. Voilà. On respecte la loi, quoi. Voilà, donc il n'a pas eu mal, Aurélie. C'est tout le cinéma, bien. Il faut faire croire, Aurélie, quoi, tu vois. Bon, ben ça va, alors. T'es rassurée pour moi? Oui, vraiment, beaucoup, parce que j'avais peur quand même. C'est mignon, Aurélie. Un peu. D'accord. Ça fait 6 ans que je te suis maintenant. Dans la rue? Et oui, sur Facebook, là. Et sur Facebook, c'est bien. J'ai toujours pas reçu un petit follow de ta part. Ah, je suis désolée, Aurélie, pour le petit follow. Alors, donne-moi ton truc, je vais te follow. Vas-y, dis-moi. Bah, de merci beaucoup, ok. Vas-y. Alors, c'est Aurélie. Ouais. Tiré du bas. Ouais. T-O-Y. R-A-R-D. Ah, alors, attends, moi je suis à Aurélie tiré du bas là. C-O-Y. Aurélie tiré du bas. Ouais. C-O-Y. R-A-R-G. C-O-Y. R-A-R-G. C-O-Y. Attends. C-E-Y. C'est comme Théodore. R-A-R-G. Z-W-X. R-A-R-G, je suis. Chérie, tu vas le donner au standard et puis on va lui transmettre, d'accord? D'accord. Ok. Ben, on va te repasser au lit quand même. Tu veux nous le redonner parce que je suis pas sûre qu'on l'ait en entier. Ouais, redonne-le au standard s'il te plaît. Ok. Comme ça, on redonne. Ok. On t'embrasse, ma chérie. Bisous, Aurélie. Au revoir. Au revoir. Bisous. Et follow. Au revoir. Au revoir. Les amis, on va jouer de nouveau. Alors, je sais qu'il y a eu le Marion Game. Il a fallu me trouver l'amour, mais là, ça vous concerne tous les deux. Le film parle d'addiction, addiction à l'amour, mais il n'y a pas que des addictions à l'amour. Il y a d'autres addictions. Nous avons un invité en studio qui se prénomme comment? Comment tu t'appelles? Parle dans le micro. Ezra. Ezra, c'est une vraie personne, parce que je sais que tu nous poses des questions à chaque fois. C'est un vrai gars, Kev. Oui, là je le vois. Oui, mais c'est un vrai gars, ce n'est pas un comédien. Il a une addiction à quelque chose d'assez insolite, original. C'est à vous de lui poser des questions pour deviner son addiction. Ah, trop bien. C'est un truc de ouf, attention. Hein, donc allez-y. Voilà, nous on est au courant avec Anso, les garçons dans l'équipe ne savent pas. C'est une addiction ou c'est une habitude? Parce que c'est pas une pareil. Une addiction. On a une combien de temps pour deviner? Ah, bah t'as le temps, t'as le temps. Nous on n'est pas. Okay. Si vous avez envie. Vous écoute. Ah, bonjour Ezra. Alors, est-ce que ton addiction est alimentaire? Alimentaire? Bah non. Mais. Mais si, peut-être qu'il les mange. Ça arrive, ça peut. Ouais, ah d'accord. Ça peut t'arriver. C'est chelou. Ouais. Ça commence en suspense, quoi, quand même. Ouais. Et donc, est-ce que ton addiction, elle est quotidienne?
Pour le coup, ouais, vu que c'est une addiction, ouais, elle est quotidienne. Tous les jours, tous ouais. les jours, tous les jours. Vraiment tous les jours. Ouais. Vraiment tous Est-ce les que jours. C'est de la consommation d'un produit? Évident. C'est évident, bah oui, un produit. Non, non, mais ça aurait pu être un truc. Ouais. Alors, est-ce que c'est de la consommation d'un produit? Est-ce que, par exemple, t'es un drogué de la colle UU? Ah, pas mal, pas mal. Non, quand même pas la colle, non. Non, pas j'ai la colle. Mal, j'ai du mal avec la colle. Ah, donc t'as essayé déjà? Non, faudrait un truc qui sent un peu plus bon, tu vois. Est-ce que c'est un truc qui change ton état? Est-ce que ça te drogue? Est-ce que ça te met dans un autre état? Non. Ça me met juste bien. Ça me il met en a besoin pour ouais. avancer. Ok, c'est pas illégal. Non, trop pas, je suis pas ce type-là. Et alors, c'est pas alimentaire, mais est-ce que t'as un contact physique? Genre, le goût, t'as besoin de le la sentir, respiration. De le goûter, de quoi ouais. J'ai besoin de le goûter, ouais, de temps en temps, de le toucher. Et de le sentir de aussi. De le toucher et de le sentir, ouais. Toujours. Alors, c'est une personne? T'es pas addict avec quelqu'un? Non, quand même pas, non, pas une personne. C'est une fleur. Un animal? Non. C'est pas une fleur, non. C'est pas quelque t'es chose pas loin, de vivant. T'es pas loin. C'est pas une fleur, mais t'es pas loin. Pas une fleur, mais je suis pas loin. Ouais. Un fruit, un légume. Ouais, moi, je trouve que t'es loin quand même. Moi aussi, je trouve que t'es loin. On est sur un légume? Un fruit ou un légume? Non, il a dit non. Ah. Non. Non, c'est quelque chose que vous utilisez aussi. Oui. On utilise au quotidien. C'est ça. Pas spécifiquement au quotidien. À quel moment on utilise ça? Bah, souvent, particulièrement l'hiver. Ah, l'hiver, la neige. Non. On n'utilise pas la neige, autant pour moi. Attends, et donc c'est un truc qui, c'est un truc parce que t'aimes l'odeur, c'est ça? Entre autres. Entre autres, ouais. C'est ça. C'est le cachemire, j'en sais rien. Non. C'est l'hiver. Ouais. Ouais, en même temps, c'est en difficile. En fait, l'hiver, ben, je l'utilise l'hiver pour. Je l'ai. C'est quoi? C'est du baume à lèvres. Non. ouais, ça aurait pu. Le gars kiffe le baume à lèvres de ouf. L'hiver, tu veux dire que tout le monde a besoin de ça? Tout le monde en a besoin, ouais. L'hiver, tout le monde en a besoin. Pas tout le temps pendant l'hiver, mais c'est-à-dire que par moment, t'en as besoin. Il faut leur donner un médicament. C'est un médicament. Un gant. Non, c'est pas un médicament. C'est un objet. Un objet. Alors, ouais. T'en as particulièrement besoin quand t'es malade. Au niveau du visage. Ouais. Un truc rhume. Non. Ah, t'es pas loin. Vaporub. Non. T'es pas loin. C'est pas un médicament. Ah, c'est un médicament. Ah oui, je vais faire ça. Stérima. Mais non, un Kleenex. Oui, un Kleenex. Cette personne est accro au mouchoir. Ouais. Je vous jure que c'est vrai. Alors, c'est dingue. Raconte-nous. Bah, en gros, quand j'étais plus petit, avec ma mère, je marchais souvent avec elle et j'étais plein de morve en fait. Et en gros, je sais pas, je suis rentré dans un trip à un moment donné tout le temps et j'ai commencé à en mettre dans ma bouche. Et j'aimais bien l'odeur, la texture en fait, c'était, je sais pas, j'aimais trop. Ouais. Et du coup, maintenant j'ai toujours des mouchoirs. T'en utilises combien par jour? Je pourrais pas compter honnêtement, je pourrais pas compter, peut-être 20. 20? Ouais, et j'ai 2-3 paquets dans ma poche, là, j'en ai 2-3, tu vois, tous les jours j'en ai avec moi. Je suis obligé en fait. Et c'est toujours ceux à la menthe? Quand j'ai de l'argent, ouais. Ah, mais moi aussi, ceux à la menthe, je les ai bien aimés à un moment. Parce que c'est beaucoup plus cher, mais sinon, c'est ce classique. Mais à la menthe, ouais, généralement. Par exemple, à part te moucher, qu'est-ce que tu fais avec? Justement, j'aime bien les mettre genre en ligne, comme ça. Ouais. Et tu les goûtes. Mais c'est pas très bon, parce qu'il y a des trucs dedans, quand même. C'est ça, justement, je suis déjà parti voir un médecin pour ça. Et justement, là, j'ai pas le droit de le faire. Je suis interdit. Le fais pas. C'était pour nous montrer. Pour info, cette personne voulait préserver son anonymat. C'est pour ça qu'on fait pas de story, Facebook Live et tout. Ouais, c'est ça. Tout à fait normal, mais c'est très gentil d'être venu témoigner. Ouais. Et ça doit pas être facile, une addiction comme ça au quotidien, au Kleenex. Qu'est-ce que ça t'empêche de faire, par exemple? Justement, il y a 4 mois, j'ai pris un Uber. Ouais. Et en gros, je suis rentré dans l'Uber, il n'y avait pas de mouchoir. Là, c'était pas possible. C'était insupportable. Justement, à la fin de mon arrivée, j'ai fait quoi? J'ai mis mauvaise note, mauvais avis. Et attends, parce que moi, je rentre tous les soirs ça et il n'y a pas de mouchoir. Non, ouais, c'est dingue. Et bizarre. Ouais, mais je vais te dire un truc. Trois mois plus tard, je reprends bizarrement le même chauffeur et bizarrement il y a des mouchoirs. Ah, il était. Et il s'est souvenu de moi justement. C'est dingue ou pas? Mouchoir man. Et ouais, t'as vu ça? Je rétablis les mouchoirs là où il y en a pas. C'est un truc de ouf. Hein. Donc avec tes mouchoirs, tu te mouches. C'est pas forcément pour te moucher, c'est pour sentir, pour le toucher. J'aime bien le toucher aussi. C'est doux et même pour aller aux toilettes. J'utilise pas de papier toilette, j'utilise des mouchoirs. C'est dingue. Franchement, je peux t'amener vers un autre délire. Ah ouais? Je peux te décraver un sopalin de fou.
Il y a un sopalin, mon pote, écoute-moi bien. Il va t'emmener au 7e ciel. J'ai un sopalin de fou. Ouais. Ah ouais, wow. Il vient des États-Unis et tout. Enzo, vas-y, dis ta question, mon chat. Ouais, est-ce que genre t'as des rapports sexuels du coup? Genre quand toi tu te masturbes et que tu finis dans le mouchoir, du coup c'est un truc de fou. C'est Kim Kardashian le truc. Surtout si c'est à la menthe. Juste ça c'est plus personnel, mais à ce moment-là, ouais, je kiffe. Honnêtement, ouais, je kiffe. Là, je suis en En branlette à la menthe. Tu imagines ou pas? Essaye. Franchement, enfin, j'ai jamais essayé. C'est vrai que c'est... Tu vas t'éclater. J'ai jamais eu une branlette. Allez, c'est ce soir, comme chez lui. Parce que ça fait un truc différent. Merci beaucoup. Ben justement. Attends, c'est ça, c'est le modèle cher. Justement, ouais, c'est différent. C'est pas comme des mouchoirs que tu pourrais prendre, je sais pas, dans n'importe quel supermarché. Ben, ils sont. Faut que ce soit doux, faut que ce soit space. Et vraiment, si vous débarquez sur Fun Radio, c'est quelqu'un vraiment qui est addict. Est-ce que t'as une marque favorite? Oui. Ben, et c'est ce que j'allais demander. Là. Justement, c'est ceux-là. C'est le Lotus. C'est les mentholés. Surtout mentholés, c'est dingue. C'est comme les gens qui kiffent les cigarettes. Direct. Voilà. C'est normal, attends. Ah mais non, mais on va t'offrir le reste du paquet, hein. Mais c'est lui, faites-lui le kiff. 9-12. Est-ce que ça te pose pas de soucis? Genre, tes potes et tout, ils sont au courant ou Justement, ils sont au courant, ils arrêtent pas de me chambrer sur ça, justement. Ils arrêtent pas de me casser la tête et tout. Mais attendez, lui donnez pas, il est en traitement en ce moment, il a pas le droit. Mais j'ai pris l'habitude, donc du coup, bah maintenant. Mais est-ce que tu aimerais te soigner? Ah oui, il se soigne, justement. Ben, je suis d'accord, tu vois, pas un psychologue ou quoi que ce soit, mais un médecin. Pour arrêter de... En fait, je voulais une prévention, en fait, contre tout ce qui pouvait m'arriver, en fait, pour mon corps, en gros. Parce qu'il les mange. Et le médecin, justement, il m'a dit que c'était pas bon, que je gonflais mes poumons de... De papier. Donc, c'était trop bizarre, au final. Tu vois. Et les intestins, je sais pas, ça faisait tout un truc. Et au final, ben, j'ai dû arrêter. Ouais, là, je les sens, justement. J'essaie de les sentir, de me moucher, les rentrer un peu dans mon nez, comme ça. Et t'as essayé l'hypnose? Non, pas encore. En vrai, ça marche super bien pour les phobies, les tocs et tout. L'hypnose, c'est le meilleur, parce que c'est sur l'inconscient, ça. Ouais, et bah pourquoi pas. Mais Annie, explique-nous un peu. Je savais qu'il y avait l'hypnose de moi. Inconscience. Non, mais parce que c'est vrai que là, on sent vraiment qu'on a besoin d'une aide inconsciente. Finalement, c'est là de manière confiante. Non, mais parce que quand on a des trucs. Moi, je suis phobique des oiseaux. D'accord, ok. Et notamment des pigeons. Des pigeons, et c'est vraiment hyper handicapant au quotidien. Et l'hypnose, par exemple, soigne très bien les phobies. Mélanie, on va te présenter 3 pigeons. Tu devrais choisir. Et du coup, t'as fait l'hypnose, Mélanie, pour les pigeons? Alors moi, j'ai tellement peur de soigner cette phobie que j'ai fait de l'hypnose pour tout, sauf pour ça. Alors qu'en fait, au départ, c'est ça ce pourquoi je devrais faire l'hypnose. Mais la phobie, c'est comme toi, les mouchoirs. C'est un truc très étrange. Je verrai pour l'hypnose, pourquoi pas. Ouais, mais j'ai un ami, petit garçon. Tu sais, quand même, Ezra, il a dit une phrase tout à l'heure. Il a dit, quand j'ai de l'argent, je prends ceux à la menthe. Toi, tu veux l'emmener chez une hypnotiseur qui va lui prendre 200 balles pour lui dire. Bah oui, mais au final, il fera des économies puisqu'il achètera plus de mouchoirs. Frérot, tu vas payer 200 balles parce que j'ai un gars, il va dire, allongez-vous. Bah oui, mais vous êtes dans un état d'inconscience, tu n'aimes plus les mouchoirs. Tu n'aimes plus les mouchoirs. Bah oui, et ça te coûtera moins cher. Moi, je vais dire ce que je pense. César, je vais dire ce que je pense avec mon cœur, sincèrement, en dehors des blagues. Il y a des gens dans ce pays qui sont addicts à l'héroïne, à la cocaïne, qui se piquent. Il y a des gens qui sont addicts à la beuh, un Français sur trois. Il y a des gens, toi t'es addict au mouchoir, c'est légal, fais gaffe, te détruis pas ton corps, mais tant que t'emmerdes personne, kiffe tes mouchoirs. Mais pour ces petits poumons, ne les mange pas, c'est tout. Juste les mange pas, te fais pas de mal pour toi, c'est tout. Mais il emmerde personne en vrai, le gars. T'imagines, c'est le meilleur pote à avoir. Tu veux quoi pour ton anniv? Un pack de 12 Lotus. Moi, je veux ce pote, il est génial. Non, mais quand t'as une addiction, c'est quoi qu'il arrive, difficile à vivre. Donc s'il peut la soigner, entre guillemets, qu'il le fasse. Oui, mais c'est pas une addiction méchante, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça doit être hyper handicapant. Lotus à la menthe. Il peut pas prendre une voiture. Regarde, s'il y a dans Uber, il était pas bien. Ah oui. Oui, mais attention. Quand t'as une dépendance. Le mouchoir, on est sur quelque chose qui se trouve très facilement aujourd'hui sur le marché. C'est ça. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup d'être venu parce que c'est courageux, c'est hyper sympa de ta part et on espère que ça va aller quoi qu'il arrive. Ok. Merci beaucoup. Merci. Ezra, rejoins-toi et appelle-moi pour le sopalin dont je t'ai parlé. Et il est trop cool, Ezra, non? Il est trop sympa en plus, ce gars. Bah voilà. Et Mélanie, elle a commencé à lui dire il faudrait que tu ailles voir le docteur Jean Merlin. Qui est vraiment exceptionnel. C'est quelqu'un qui prend toutes des aiguilles dans tes oreilles et qui touche ton trou du cul en même temps. Oui, tu peux les prendre. Tu peux les prendre, on te les offre, mon pote. Des mouchoirs. Regarde, il est mignon, le gars, tu lui donnes des. Frère, et je te kiffe, Ezra. Ah ouais. Donc, vis à toi. Ça, il y en a trois là aussi. Donnez-lui. Ah oui, on avait pas. J'ai vu, toi, tout à l'heure, t'as fait le rat, t'as voulu en garder deux pour Watt.
Prends tout. Donnez-lui un merci. Trop sympa. Qu'est-ce qu'il est gentil. Et juste avant de vous libérer, parce que quand même cette journée a été longue. Ah oui. Oh là. Oh, ne m'en parlez pas. Mais en même temps, à la fin, on n'a pas envie de vous partir, si on passe un bon moment. Voyez, merci. Je comprends, c'est complètement réciproque. Hugo, on a envie de partir, en même temps, on n'a pas envie de partir parce que on passe un bon moment. Hugo est en Normandie. Dis donc, Enzo. Petite question. Salut Marion, salut Enzo, salut Kev, salut Mélanie et salut à tous. Salut Hugo. C'est quoi ta question? Vous en avez gardé, ils ont gardé des paquets de mouchoirs. Mais donnez-les à Ezra. Oh, allez, non, ouais, ça va. Mais c'est pour faire les photos. Oh là là. Merci, là, c'est moi qui fais. Alors, attends, Kev, t'avais une question pour Anso? Non, on écoute Hugo d'abord. On t'écoute, Hugo. Combien d'heures de tournage avez-vous fait pour le film Love Addict? Ah, ça pour quel journal, Hugo? Il avait préparé sa question, il est trop chou. On peut te dire qu'on a 10 semaines, mais en termes de. 10 semaines de tournage. Donc à raison d'une, en général c'est des journées de 10 heures par jour si tu comptes le HMC compris le démontage, donc 10 heures par jour fois une quarantaine de jours, on est sur 400 heures de tournage. Oula, voilà Hugo, ça mouline, hein, ça va vite. Ouais, ouais. 400 heures, est-ce que ça te convient, est-ce que Hugo, tu t'attendais Hugo, ça va après 400 heures, est-ce que c'est comment on est pour toi? C'est correct, c'est dur. Ah, c'est dur. Mais vous savez, mon petit Hugo, on a rien sans rien dans la vie. Ouais. Hugo, tu iras voir le film? Oui, je pense. Ah bah il faut y aller, hein. C'est mercredi prochain, tu vas te marrer. Kev? Oui, Hugo, c'est est-ce moi. Est-ce que ce serait possible d'avoir un autographe, s'il te plaît? Bah bien sûr, Hugo, je vais te faire ça, on va t'envoyer ça. Bien sûr. Merci. Ok, Hugo? Bisous, mon pote. Allez, salut. Donne ton adresse à la personne de Fun Radio qui va te parler tout de suite et ne lui donne surtout pas ton numéro personnel. Bon, alors est-ce qu'on finit avec la question pour Anso ou pas? Bah, j'ai une petite question pour Anso, pour finir. T'es un mec, toi, Anso, ou pas? Totalement. Ah, oui, tout à l'heure, t'as sous-entendu. Elle est passée à ça. À partir en on va trouver un mec à un petit. Eh bien non, j'ai et ça aurait trouvé... été énorme parce que j'aurais eu trois nouveaux prétendants pour toi. Ils sont là, Michel, Jérôme et Jonas. Les cons. C'est les mêmes gars. Bon, les amis, on va vous libérer. Merci beaucoup d'être venus. Franchement, c'était un kiff. Et le film est super kiffant. On a c'est passé hyper gentil. Beaucoup. Et nous aussi, on s'est éclatés. Merci beaucoup. Merci, c'était chouette. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Si, gros succès pour le film, vous venez fêter ça à Fun Radio. On compte sur vous. Hein. Si, on dépasse 11 millions d'entrées... Ah oui, d'accord. Si on dépasse 11 millions d'entrées, tu me ramènes 15 gars. Si on dépasse 11 millions d'entrées, je fais l'émission tous les soirs avec vous pendant 5 mois. Impossible. Ah oui, tous les soirs, je suis là pendant 5 mois. Au moment où on fait 11 millions 1, je suis là tous les soirs pendant 5 mois. Oh putain, voilà. Les gars. Allez, on y va. Et je viens une fois par semaine si on dépasse 23 millions. Non. Si on dépasse 7 millions. D'accord, une 7 fois par millions, semaine. Une fois par semaine. Une fois par semaine. D'accord. Allez. Toutes les semaines. Mélanie, elle s'engage pas comme toi, pardon. Toi, tu dis quoi? Faut que tu dises un truc. Non, parce qu'en même temps, ça veut dire qu'il a. Pardon, mais pas tant d'espoir que ça qu'on fasse 11 millions. Bah pourquoi non, mais tu c'est dis dur, ça 11 millions. Bah, parce qui que... te dit que j'ai peut-être parce pas. Parce que je sais que tu pourras jamais vraiment tenir cette promesse. En fait, je tiendrai. En fait, si on fait 11. Regarde-moi dans les yeux. Si on fait tous 11 les soirs pendant 5 mois. Regarde dans les yeux. Si on fait 11 millions d'entrées, je suis ici tous les soirs pendant 5 mois. Même les soirs où ils ne sont pas là, elles, je suis là. Tous les soirs, je viens pendant 5 mois. Sûr. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout un truc qui veut dire que je ne pense pas qu'on va les faire. C'est qu'effectivement, c'est un petit film français. Ce n'est pas une grosse production. Et donc, c'est compliqué de faire beaucoup d'entrées avec ce genre de film. Donc, au contraire, j'incite les auditeurs à y aller. Parce que comme ça, s'ils ont envie que je présente l'émission pendant 5 mois, il faut qu'ils fassent 11 millions. Et retourner. D'accord. On est d'accord qu'on ne te paye pas si tu viens là pendant 5 mois. Évidemment, c'est complètement gratuit. Complètement gratuit. On aura fait 11 millions. En fait, si le film fait 11 millions d'entrées, j'ai plus besoin d'argent à vivre. Bon, les gars, j'y crois qu'à moitié, mais enfin, on sait jamais. Allez-y, quoi. Il y a un défi, 11 millions d'entrées, j'anime l'émission avec vous pendant 5 mois. Merci beaucoup d'être venu, c'était un gros kiff. Et puis, on embrasse tous les auditeurs qui n'ont pas pu passer à l'antenne, mais ils vont signer des dédicaces, on vous enverra ça à la maison, il n'y a pas de galère. Évidemment, on s'occupe de ça immédiatement. Merci beaucoup, Marion et Enzo, et merci aux auditeurs. Fun Radio, le son d'Anne Flore. Merci à vous, venez quand vous voulez. Puis nous, on continue à faire de la radio ensemble jusqu'à minuit en direct. On va parler sexe un petit peu en plus dans un instant, de manière un peu décalée, ça va être un peu marrant. 01 42 48 5000, on parle de ce que vous voulez. Et puis on écoute Z tout de suite, c'est The Middle sur Fun Radio. Marion et Anso, le Night Show. Soyez tous les bienvenus sur Fun Radio, c'est toujours Marion, Anso et toute l'équipe du Night Show. On est en direct. Kev et Mélanie viennent juste de partir, on a passé une super soirée. Merci à tous parce que vous êtes hyper réactifs sur les réseaux sociaux et ça fait bien plaisir. Ah oui. Et puis justement, parlant de réseau, nous avons reçu
un MP de Anthony. Alors, oui, est-ce Anthony. Que tu veux que je le lise, le MP d'Anthony? Je veux bien, je regarde juste si vous, voulez pas, si vous voulez pas rester anonyme, si j'ai pas fait de gaffe. Non, c'est bon. Non. Ah, ouf. Donc c'est bon, tu veux dire qu'on peut y aller sans problème? On peut y aller, tu peux complètement te lancer dans la lecture du MP. Et alors dis-moi donc pourquoi tu prends l'accent belge? Je ne sais pas, tu sais, c'est toujours comme ça, ça revient de temps à autre. Hein. Alors, Anthony nous dit, les filles, j'ai besoin de vous. Eh bien, tu as frappé à la bonne puerta. Je vous écoute. Pouvez-vous m'aider, ma copine, à danser collée serrée toute la soirée avec des mecs en boîte? Que faire? Aïe, aïe, aïe. C'est la jaja, la jalousie. Ah, la jaja, oui. Et la patatras, catastrophe. Comment il est, mon Anthony, au bout de cette boîte, là, comme ça, assis sur son pouf, les bras croisés, en train de voir sa copine, comme ça, se frotter, ni plus ni point, ni plus ni point, ni à point. La jambe. Hein? Alors, Bichon, je peux comprendre. Après, c'est le principe aussi de la boîte. On y va pour s'éclater, pour danser. Si elle franchit pas la limite, après, faut définir quelle est la limite dans ton couple, tu vois. Si toi, tu ne supportes pas le collet serré, je l'entends. Mais bon, si t'es là, je veux dire, je vois pas quel intérêt elle a de te provoquer. À mon avis, elle s'éclate juste et puis voilà. Ah, quand même, hein, franchement, les gars, je vous le dis parce que je vous parle de mon expérience avec Dou. Voilà, avec Dou, bon, bah, c'est vrai qu'on n'est jamais allé en boîte ensemble. Ouais. Ah ouais. Mais ouais. Si on y allait. Que ce soit dans un bar ou ailleurs, je me frotte pas aux autres personnes parce que c'est du respect, tu comprends ce que je veux dire? Ah bah ouais. Moi, j'aimerais pas qu'il me le fasse et qu'il aille se frotter à de la bambasse. Ouais, c'est que... je comprends. Oui, Thibaut. Et de toute façon, la boîte, c'est un truc qu'il faudra que tu fasses. C'est une épreuve de couple. Quand tu vas en boîte avec ta meuf, tu sais directement ce qui va se passer. Soit tu vas rester avec elle, soit tu vas être hyper jaloux, elle va te larguer ou tu vas la larguer. C'est toujours comme ça que ça se passe. Non, mais je sais pas comment vous faites, mais moi je me tiens correctement en boîte. En fait, j'y vais pour m'amuser, que je sois avec mes potes ou mon mec. Je danse, je bois un coup, mais je suis pas là en train de tester quoi que ce soit. Mais c'est pas toi, c'est les autres qui vont venir te chauffer et tu vas voir que ton mec il va être vénère ou alors tu vas voir qu'il y aura une embrouille. Il y a toujours une galère quand tu vas avec ta meuf ou ton mec en boîte, mais toujours. Bah, en fait, c'est ça la différence peut-être, c'est que les gens ne viennent pas me chauffer. Bon, alors en fait, chacun. Non, mais chacun a ses limites. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont supporter que bah, leur meuf danse avec d'autres, qui vont faire pareil, qui vont se dire c'est qu'une danse, et d'autres non. Ce qu'il faut faire, Anto, c'est poser tes limites. De couple, en fait, tout simplement, lui dire écoute, moi ça me fait de la peine, ça me dérange, je t'interdis rien, tu peux sortir, tu peux faire ce que tu veux, juste je veux pas voir de coller serré par respect pour moi. Et si elle comprend pas ça et qu'elle reste dans la provoque, eh ben mon pote, c'est que voilà, elle franchit les limites et faut te poser les bonnes questions. Mais juste pose les choses, dis-lui ce que tu ressens sans faire une crise de jalousie, sans aller dans le t'es qu'une pute, pourquoi tu fais ça, tu vois, surtout pas. Faut lui faire comprendre que ça te blesse. Et dans ce genre de cas, moi je vous me dites hein, si vous êtes d'accord avec moi, mais tu la laisses danser et à la fin de la soirée, ouais, tu dis écoute, ce qui s'est passé, ça m'a vachement blessée. Ouais. Parce que tu vois quoi, moi j'aime pas ce genre de comportement. Et vous dites-nous si bah, vous avez déjà fait des grosses, grosses phases de jalousie, ça peut rassurer Anto. Appelez-nous 01 42 48 5000. C'est vrai qu'avec Enzo, on est fort peu jalouse, on va pas se mentir. C'est-à-dire qu'on n'est pas. Hein, on n'est pas sur une jaja 2000, quoi. Non, on n'est pas sur une jalousie 2000, franchement. Il y a Younes qui nous a appelé. Oui, il est à Béziers. Bonsoir, Youyou. Oui, bonsoir. Salut tout le monde. Yo. Ça va, Younes? Ça va très bien et vous? Bien. Oui, alors Younes, toi tu es jaloux ou c'est quelqu'un qui a été jaloux envers toi? Non, c'est moi où j'avais une période où j'étais vraiment très 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 jaloux. Ah. Je me reconnaissais plus. Mais genre, t'as fait des trucs de ouf par jalousie? Mais genre, des trucs de ouf, pas trop on va dire, mais je me suis retrouvé à passer une nuit dans une voiture endormie, tout simplement pour surveiller mon ex quand elle sortait de boîte. Ah ouais, t'es ah ouais. Chaud. Bah en fait, après, quand même, Younes, d'ailleurs, tu vas me dire si toi, tu penses que c'est ce genre de comportement que tu avais. Parce que très souvent, la jalousie, c'est par manque de confiance en soi. Vu qu'on n'a pas confiance en soi et qu'on se trouve plein de défauts, et physiques, et de caractère et tout ça, bah, on a tendance à pas faire confiance à l'autre. Mais alors qu'en réalité, quand on a pleinement confiance en soi, bah, on est un peu moins jaloux. Younes, est-ce que c'est pas un peu ça? Est-ce que tu te trouvais pas un peu, je sais pas, moins bien qu'elle? Est-ce que tu pensais pas qu'elle... qu'elle te méritait pas, ou j'en sais rien, tu vois. En fait, non, le souci, c'était l'inverse, c'est que j'avais trop confiance en moi. En fait, on avait chacun notre soirée de notre côté. Je me suis dit, tiens, je vais aller la rejoindre à sa fin de soirée, voir avec qui elle va sortir, comment elle va être et tout. Sauf que je me suis endormi dans la voiture. Et au final, j'étais jaloux pour rien, parce que le lendemain matin, ça s'est bien passé. Je me suis fait tout un film, en fait, au final. Et c'est plus, j'avais plus confiance en moi, en fait. Vraiment trop confiance, et ça faisait... que j'étais jaloux, tout simplement. Ça, c'est étonnant, ça. Moi, j'entends ça, moi. Ouais, moi aussi. C'est ça, moi aussi, je ne connaissais pas du tout ça. Bon, ça va mieux maintenant, Younes? Ah, maintenant, c'est un régal, maintenant. Une fois qu'on a passé par ça, avec le recul, on en rigole. On se dit, passer la nuit dans une voiture à s'endormir, on devait l'attendre, la voir sortir. Au final, on a tout loupé, j'ai rien vu. Je me suis retrouvé comme un con tout seul à dormir. C'était marrant. C'était une bonne expérience. T'es plus avec la même meuf, là?
Comment dire ça? C'était très très compliqué. On s'est séparés, remis ensemble, séparés. Et là, ça s'est fini. D'accord. Bon, bah écoute, si t'as réussi à surmonter ta jalousie, si maintenant tu te sens mieux, c'est le principal. Mon Younes, merci beaucoup d'avoir appelé. Eh bien, avec plaisir. Merci à vous. Hein. Bisous, chatter. Bisous. Allez, passez bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Et Anthony, rassure-toi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jaloux en France et partout. T'es pas le seul et tu as raison de poser des limites. C'est pas bien de danser collé serré avec d'autres. Si en tout cas, toi, ça te blesse, il faut qu'elle arrête. Donc, vas-y, fonce. Et attention, modulez vos jalousies parce que parfois, ça peut te foutre en l'air un couple alors que t'es très, très bien. Et en même temps, ne pas être jaloux du tout, bah, parfois, c'est pas bien. Il faut que ça titille un petit peu, tu vois. Et bah, tu sais quoi, on va finir sur moduler vos jalousies. C'est vraiment la plus belle phrase que j'ai jamais entendue. Ah. Ah si, bravo mon babou. Oui, bah écoutez, c'est vrai que je suis animatrice radio et philosophe. Le Pourquoi tu m'appelles débarque dans un instant là sur Fun Radio 01 42 48 5000 pour vous inscrire. Et pour le son, c'est Sean Paul et David Guetta là maintenant. Merci beaucoup. Pourquoi tu m'appelles? Alors, je vous ai pas appelé. Le compte de ta grand-mère, qu'est-ce que tu veux? Attends, les adolescents, général, qui moi? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Eh bien, vous aimez écouter de la musique de manière qualitative ou éventuellement écouter vos séries préférées avec un casque? Eh bien, on vous offre cette semaine le casque focal Audio Listen. Hyper stylé. Très, très stylé. Justement, vous ne voulez pas écouter quelque chose, mais vous voulez avoir du style. Vous mettez le casque et vous défilez comme ça dans la rue. C'est vrai. Et ensuite, eh bien, on vous envoie dans un hôpital psychiatrique. Tu as vraiment des idées incroyables, babou. Alicia joue avec nous à Bourguin. Bonsoir, Bourguin. Alicia à Bourguin. Non, c'est à Bourgoin. Quoi? Et c'est à Bourgoin par Bourguin. Ah, tu sais, le standard parfois, hein, la géographie, c'est pas trop son truc. À Bourgoin, mais ça marche aussi. Ça va, Alicia? Oui, oui, ça va, j'ai un peu de peinture sur les doigts, je suis en plein travail. Oh bah dis donc. Alors madame est peintre? Non, madame n'est pas peintre, madame est animatrice. Ah, d'accord, tu fais de la peinture pour distraire les gens. D'accord. Je suis en train de faire de mignons. D'accord. Bon, et tu veux jouer avec qui ou pourquoi tu m'appelles? Je sais pas. Allez, Anso. D'accord, Alicia, pas de souci. Alors, Anso, je vais te donner une difficulté. Tu vas devoir faire la commentatrice sportive. Ah, génial. Ah, fort. Tu vois ou pas? Est-ce que tu te sens de le faire? Parce que c'est pas facile. Hein. Nelson Monfort au féminin. Tu sais quoi, ma babou? Je bois tes paroles. Tu me mets sur un défi. Je le relève. Est-ce que je vais réussir? C'est pas dit, mais je vais tenter. Alicia, on laisse Anso commencer. Tu te lanceras après. Mets-toi au maximum au calme. Je sais que t'es très occupée, mais enfin, bon, c'est pour toi. Hein. Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Merci. Alicia, je me lance dans la compétition et tu restes tranquille, tu attends ton tour au KLM. Pas mal. Zaradou. Oui, bonjour. Allô? Oui. Et c'est la décroche, il décroche, c'est extraordinaire. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi tu m'appelles, monsieur? C'est vous qui venez de m'appeler. Magnifique mouvement de la personne au bout du fil qui a pris son téléphone afin de le décrocher. C'est très, très impressionnant, monsieur. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles, monsieur? On répond maintenant. Des milliers de supporters scandent votre nom. Quel est votre nom, monsieur? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était un prénom original. C'est pas mal, babou. Franchement, t'as réussi à tenir un petit peu. Combien de temps, Tibalaria? 33 secondes. Ah bon, c'est tout? Ouais. Ah d'accord, bah c'est de la merde en fait. Hein. Bah ouais, mais bon, quand même. Hein? Alors, peut-être qu'on pourra avoir le droit à une autre prestation dans un instant, si jamais Alicia arrive à battre les 33 secondes. À suivre, effectivement, après une page d'Alicia. Alicia, c'est parti, ma chérie, d'accord? Ouais, ouais, c'est parti, je suis au taquet là. Allez, Alicia, on met de l'attention. Allez, sanglée. Oh, je me saoule. Oh là là. Allô? Oui, bonjour. Pourquoi vous m'avez appelé? Je vous ai pas appelé. Ah bon? Vous êtes sûr? Parce que votre numéro, c'est affiché sur mon téléphone, donc moi j'ai répondu. Vous êtes sûr que vous m'avez pas appelé? Non, non, pas du tout. Ah, putain! Non, bah, je suis désolée. Mon opérateur Orange, il doit encore déconner. Je suis vraiment désolée, madame. Je voulais pas vous déranger. Je sais pas. Voilà, je change mon téléphone, sérieux.
C'est pas grave, allez, au revoir. Alors, Calicia nous sort les larmes histoire de faire chialer dans la chaumière. Elle a raccroché. C'est trop tard. Alicia ? Oui. Bon bah déjà, désolé, on t'a peut-être coupé un peu la chic. Oui, enfin c'est pas grave, je pense qu'elle avait dépassé le score. Très belle technique, cela dit, de l'apitoiement. C'est, et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'on a ça dans le pourquoi. Franchement, c'est bien, c'est original. Thibaut Allaria, combien de temps en tout ? 42 secondes. Allez. Bravo Alicia, c'est gagné. Très joli petit cri de joie d'Alicia. Alicia, on t'envoie le casque focal, tu vas voir, il est génial, surtout celui-ci, c'est le Audio Listen, tu vas kiffer. Ok, bah merci beaucoup et je vous fais plein de gros bisous et je vous fais encore des gros bisous, des gros câlins et je vous écoute tous les soirs. Écoute Alicia, on a tous très envie de faire l'amour, va falloir que tu te calmes maintenant. Hein. On t'embrasse. Oh, je vous embrasse aussi. Bisous ma chérie. Bisous. Ouais. Bisous et merci beaucoup pour ta fidélité, c'est beurre. Merci à toi Marion. Merci, c'est gentil. Marwaloud, c'est ce qu'on s'écoute maintenant. Et alors, dans un instant, je vais vous proposer de répondre à un sondage que nous avons vu sur Facebook. Ça nous a fait marrer de ouf. Ah, grave. La question est la suivante. Donnez-nous une phrase que vous pourriez dire à la fois pendant le sexe et un repas de famille. Ah ouais, c'est génial. Il y en a plein. Anso, un exemple, par exemple. Ça suffit, je suis pleine. On se fait ça juste après Marc. Vous connaissez Marion. Vous connaissez Anso. De 22h à minuit sur Fun Radio. On est encore là en direct avec vous, on ne vous lâche pas quoi qu'il arrive, on est là du dimanche au jeudi, c'est Marion Anso et toute l'équipe du Night Show. Et là, on a trouvé un délire qui nous fait bien marrer sur Facebook. Donnez-nous une phrase que vous pouvez à la fois utiliser pendant le sexe et un repas de famille. Et j'ai l'impression que tout le monde se lâche sur les réseaux sociaux. Ah, c'est génial, il y a Louveteau des Bois qui dit pour les repas de famille, je dirais quand même celle de ta mère a plus de goût. C'est drôle. Très très bon, franchement vous êtes excellents, on a déjà du monde au téléphone. Ouais, il y a Nathan qui est du côté de Rennes, bonsoir Nathan. Salut tout le monde, ça va ? Ça va, baby ? Ça va, super, super. Nickel ! J'en ai trouvé une, mais tu m'avais un peu coupé l'air sous le pied. Vas-y. Tu vois, j'avais dit, tu peux envoyer la sauce blanche, s'il te plaît, Michel. Mais bon, apparemment, tu l'as déjà fait. Non, pas, non, on l'a pas faite, celle-là ? Si, t'as dit tout à l'heure que tu peux envoyer la sauce. Ouais, ta pote Mélo. Ah oui, mais pas la sauce blanche, dis donc. Elle a une petite nuance, quand même. Hein. Ouais. Non, mais c'est pas grave, tu peux toujours envoyer la purée. Ah, tu peux envoyer la purée, c'est pas mal. Effectivement, on te le prend, complètement. Merci Nathan. Et je vous en prie. On t'embrasse mon poteau. Ciao ciao. Un petit dédicace si c'est possible. Ah oui, vas-y vas-y. Évidemment. Et je vais faire une dédicace à tous ceux qui m'ont reconnu et les poteaux de mon lycée. Et ciao, surtout Dylan. Ok, et ben, on embrasse Dylan et tous les poteaux. Bisous mon Nathan. Ciao ciao. Bisous, bonne soirée. Bisous. Il y a Thomas sur la page Facebook. Je ne sais pas s'il a tout à fait compris le concept. Il nous dit passe-moi le beurre, le doux, parce que les cristaux de sel, ça pique. Je n'ai pas compris. Bah non, ça ne veut rien dire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Hein. On va voir du côté de Yvan Saison, parce que lui aussi, il a une proposition. Ouais, bonsoir Yvan. Bien le bonjour, est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! Eh ben dis donc, Yvan, j'ai l'impression qu'on a une grosse voix. Oh bah ça va, ça va. Et petit potentiel vocal quoi, hein. Alors Yvan, dis-nous la phrase qu'on peut dire à la fois pendant le sexe et pendant un repas. Alors moi, donc ma phrase c'était Attends, j'ai oublié. Bah oui, c'est vrai que attends, moi j'en ai plein qui viennent et qui repartent aussi là. Alors attends, parce que j'ai un trou de mémoire, c'est génial. Prends ton temps, mon pote, si tu veux, on te remet en attente. Nous, on en fait en attendant, d'accord ? Ouais. Alors, donc, du coup, il y en a qui sont arrivés sur la page Facebook. Beaucoup de « Donne-moi la sauce blanche ». Il y a Laurence qui dit aussi « C'est trop bon, il faut encore des moules ». Ouais. Et Corinne qui dit « Est-ce que je pourrais avoir une dédicace de Kev et Mélanie ?» Mais du coup, ça n'a pas de rapport. Oui, Thibaut ? Il y en a un, tu sais, moi, je mange un petit peu comme un petit cochon, tu vois. Et parfois, je suis là, je fais « Ah putain, j'en ai mis partout, tu vois ». Là, ça marche très bien. Sexe et nourriture, ça marche très bien. Il y a le fameux « Encore, s'il te plaît ». Ah ouais, ouais, j'ai envie de rab, quoi. Voilà, où c'est trop bon, tu vois, on n'est pas obligé d'aller dans le gore. Hein. Ouais, exactement. Yvan, est-ce que tu t'es retrouvé ? Est-ce que tu as fait une petite réunion avec toi-même, mon chat ? Oui, c'est « On parle pas la bouche pleine ». Ah oui, alors on parle pas la bouche pleine, il marche complètement. Ouais.
Pas mal, je te le prends aussi. Ah, moi aussi, je te le prends grave. Yvan, on te fait des gros poutous, mon pote. Ben écoutez, moi aussi. Hein. Eh ben, ça tombe bien alors. Bisous. Bisous. Continue sur les réseaux. Hashtag le Night Show. On se marre avec ça ce soir. Donnez-nous des phrases qu'on peut à la fois dire pendant le sexe et un repas de famille. Et moi, je vous ai préparé un petit jeu, l'équipe. Ah. C'est une sorte de roulette russe. Donc oui, en fait, c'est le même principe que ce qu'on vient de faire, sauf que là, il va falloir eh bien, utiliser le thème du sexe et autre chose. Ah, ouf. Tu vois, donc c'est la roulette qui va nous donner le thème et à chaque fois, on va devoir se lâcher sur le thème. D'accord. C'est-à-dire qu'on va un petit peu tester notre spontanéité, quoi. Par exemple, si la roulette dit « donne-nous une phrase qu'on peut dire pendant le sexe et en jardinant », il vous faut trouver quelque chose. D'accord. Genre, vas-y, tu peux bêcher plus profond. Voilà. Bah ouais, ça marche un peu. Ça marche un peu. Ouais. Allez, c'est parti. La roulette, premier thème, Thibaut. Sexe et administratif. Oh. Ah ouais. Ah, j'en ai un. Moi aussi, j'en ai un. Moi, je peux commencer ? Vas-y. C'est plutôt bien rempli, tout ça. Ah ouais, ça marche très bien. Ça marche. Moi, j'en ai un, mais en fait, je crois qu'il marche pas. Vas-y. C'est, oh, j'ai encore débordé. Ah bah si, parce que tu peux remplir une facture et déborder. Ouais, ouais. Mais ouais. Bon, dans le sexe, tu débordes pas vraiment. Thibaut ? Moi j'en ai un, c'est putain, c'est cool, j'ai réussi à me faire tamponner. Ah ouais ? Ouais, très très, très bon. Il y en a d'autres, Enzo ? Ouais, remplis-moi le classeur. N'importe quoi. Ah, si, ça marche. Allez, deuxième roulette. Sexe et baie vitrée. Oula ! Bah, et baie vitrée. Attends, c'est hyper dur. Si, moi j'en ai un. J'en ai un. Vas-y. C'est pas plus gros qu'une pièce de 2 euros. Ah oui. Moi j'en ai un. Vas-y. Je suis encore rentré dedans. Ah. Ah oui, bien. Ça marche, tu veux. J'ai envie de me faire lustrer. Ah oui. Ouais. Bah après, ouais. Parfois est-ce qu'on n'est pas un peu hyper enthousiaste alors qu'en fait c'est pas ouais, si c'est ouf vrai, que ça. Là, j'ai pas compris la pièce de 2 euros moi. Bah si, Carglass, mais en fait c'était. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Ça marchouille. Un autre. Sexe et mécanique. Oh oui, moi. Oh bah, il y en a plein. Ouais. Moi. Vas-y. Je me suis fait encrasser. Ah ouais, t'es bien ouais, sale, c'est toi. C'est bien dégueu, mais oui, Pablo. Je l'ai pu. Ah. Non. Ah ouais, si, moi j'en ai un. Rentre-moi ta clé à molette. Bah, personne dit ça dans le sexe, enfin. Bah, si. Au lit, au standard. Mais enfonce. Ah oui. Ah oui, non. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, Enzo. Je te fais ta vidange. Ah oui. Ah ouais. Pablo. On va rajouter un peu de graisse. Faut que je m'arrête, je dois faire le plein. Ah oui. Ah ouais. Oh là là, j'adore ce jeu. J'espère que vous jouez à la maison, c'est formidable. Joli moteur. Attends, juste avant de passer à une autre catégorie, j'aimerais quand même saluer sur hashtag le Night Show nos auditeurs qui ont vachement d'idées sur le sexe et la nourriture. Il y en a un qui est magnifique. Il vient de Nicolas qui dit « Mamie, tu veux une olive ?» Oh non. Oh là là. C'est génial. C'est génial. Magnifique. On a encore une roulette ? Ouais. Allez. Sexe et musique. Oh, c'est dur. Sexe et musique. J'ai envie de ta trompette. Ah, ben, non, ça marche pas. Souffle-moi dedans. Ouais. Ouais, attention, ouais. Trop dangereux de souffler dans une personne. Ouais, faites pas. Hein. Thibaut ? Que genre tu joues de la batterie. Genre non, il faut que tu tapes bien plus fort dessus, tu vois. Ah ouais. Tape plus fort. Ouais, tape plus fort. Pas facile, hein, c'est que c'est musique. Ah bah, hein. Ou tiens bien le manche. Ah. Ou de la guitare ou de. Ouais, c'est plus sexe et pilote d'avion, ça. Ah, ouais. Un truc un peu poétique, donne-moi le là, tu vois. Ah ouais, c'est bien ça. Genre en gros, fais-moi jouir. Oui, bah on a bien compris. Merci, monsieur Jean-Michel Impro. Franchement, c'est pas trop mal. On va refaire un dernier thème parce que là, j'ai l'impression qu'on finit sur un échec et ça me plaît pas. Ouais. Sexe et sport. Ah. Ah ouais. Je suis. Ouais. J'en peux plus. Ouais. Au lit. J'ai chaud. Ouais. J'ai chaud, j'en peux plus, ça marche. Sacré pointe de côté. Ouais. Bah non. Ah. Ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir une pointe de côté en plein débat sexuel. Hein. Oui, d'accord, mais bon, personne dit ça. Thibaut. J'ai réussi à sauter la haie. Ah non. Non, mais alors du coup, j'ai envie de sauter, ça marche tout seul. Ouais. Ah oui. Bah oui, je connaissais une fille qui s'appelait Julie Lahaye. Et du coup, cette blague marche qu'avec moi, parce qu'il n'y a que moi qui connais ça. Bah oui, c'est ça. Personne d'autre sur le sexe et le sport, une phrase qu'on peut dire dans les deux catégories. C'est pas facile. Oui. Carton rouge. Ah non, c'est dégueulasse pour ah, les c'est règles. C'est un peu dégueu, bah oui. Ah oui, mais bon, si ça marche quand même. Hein. Ah oui, mais attends, c'est pas parce que c'est dégueu que c'est interdit. Oui, c'est bah, alors j'en ai un, ceinture noire. Ah pourquoi bah, pour la fesse. Bah oui. Ah ouais. Ah, excellent, ouais. Bah, ça marche. Tiré par les cheveux, celui-là. Ouais. Non, ça marche pas, non.
Bon, d'accord. Bah écoutez, excusez-moi, j'essaye, ce jeu n'est pas facile. Mais vous savez quoi, je vais vous dire, auditeur de Fun Radio. Quand on a décidé de faire ce jeu, on s'est dit, on va tellement être bon. On va se marrer. Non. On est juste des merdes. Oui, non, mais c'était pas préparé là depuis tout à l'heure, c'est en inventé. Bah oui, là on était en impro, mais franchement, moi ça me fait marrer. Ouais. Et je pense que c'est un jeu que vous pouvez faire comme ça, un petit repas de famille, ça marche tout seul. Ouais. Hyper drôle. Mais surtout, celui qui marche vraiment, où c'est un puits sans fond, c'est le sexe et le repas de famille. Enfin, ouais. Le repas quoi. Tanguy dit hashtag The Night Show, cette moule est bien juteuse. Effectivement, ça marche. Ah ouais, ouais. Ah bon. Ouais, complètement. Oli en a un. Il t'en reste un petit peu là. Ah ouais, c'est pas mal. Ou sinon, genre, tu finis pas ton assiette. Ouais. Bah genre en mode t'avales pas. Non, tu finis pas. Non. Oui, bon, arrête non, de mais j'aime traduire bien comme ça, c'est un peu chiant. Bah, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que quelqu'un veut clôturer avec la meilleure association du monde? C'est-à-dire que celui qui va sortir quelque chose là, il faudra que ce soit énormissime. Ah bah. Suspense. Attends. Non, bon. Pablo, là, j'ai pas dit que ce serait toi. J'en ai une. Oui, mais je veux voir si on a un autre candidat. Je vous rappelle qu'il faut donner une phrase qui va à la fois dans le sexe et pendant un repas de famille. Une phrase qui peut se dire dans les deux. Anso, est-ce que tu veux te porter candidate? Moi, je me porte candidate, mais au nom d'un auditeur qui nous a envoyé hashtag le night show parce que je la trouve très bien. D'accord. Moi aussi, j'en ai une qui est appelée au standard que je trouve extrêmement bien. Je me porte candidate. Bon. Bah, alors, j'y vais. Vas-y. Cet auditeur nous a écrit « Et dis donc, t'aurais pas quelque chose pour tremper le biscuit ?» Non. Oh, arrêtez. Elle est classique, c'est... Ouais, j'ai beaucoup mieux. C'est Sarah qui a appelé. Elle dit « Oula, c'est un peu saignant. » Ah, c'est crade. C'est Et le t'es parle de moi après. Marion, comment tu peux faire ça? Ça marche très bien. Mais tu peux pas dire de moi et sortir ça attendez, derrière. Vous voyez pas de Marion? Quand elle est déçue, elle croit y avoir une pépite. Ouais. Ah, c'est une pépite, là, ce que je viens de dire. Bon, bref, je crois qu'il faut qu'on parte. Il faut que ça cesse, Enzo. Je vais monter tes œufs en neige. Non, ça marche pas. Tu comprends pas le jeu. Excuse-moi, mais non, c'est pas ça. Non, il ne touche pas de moi. Ça. Moi, les moules, je les aime charnues. Non. Bon, bah, c'est bon, on a fait le tour des moules. Du coup, j'ai on a failli compris. M'étouffer. Ah. Oui. C'est bon, j'ai failli m'étouffer, on l'a. Thibaut. Je crois que j'en ai un. Ah oh, putain, j'ai trouvé un poil. Ah oui. Excuse-moi, dans le sexe, tu dis jamais putain, j'ai trouvé un poil quoi. Bah si, tu dans ta tête. Non, parfois, il peut faire un truc. Qui n'a pas eu le poil français? Bon, je vous propose d'accueillir Adrien Thomas, qui est avec nous au fin fond du studio. Enfin, c'est vrai que ce studio est quand même très grand. J'arrive. Adrien, ça va? Ouais, ça va hyper bien, bonsoir. Ça va super. Non, parce que je suis en train de préparer le Facebook Live. On va faire un Facebook Live avec mes invités qui sont Loge 21 ce soir, qui vont mixer jusqu'à 1h du matin. Voilà, tout simplement. Yes. Ah, ça c'est chambé. Et on est en Facebook Live avec toi demain midi aussi. Oui, grosse émission demain midi. Hein. Ouais, grosse émission spéciale avec toute l'équipe de Fun Radio, avec toutes les émissions. On sera en Facebook Live à partir de midi jusqu'à 13h, puisqu'on avait décidé que ça durerait 1h. Donc, selon mes calculs, ce sera jusqu'à 13h. Vous avez préparé un gros truc en plus. Hein? Ouais, que vous avez préparé. Ah oui, ah ouais, nous, vous avez préparé un truc de ouf, du lourd, de la marade et puis un petit peu de truc de fifou, quoi. Donc restez bien là, soyez bien là demain. De toute façon, Party Fun continue jusqu'à 1h du mat. Voilà. Voilà, on reste avec vous, les gars. De toute façon, on vous regarde, en fait. On est là, on est un peu angoissante. Et puis nous, on sera de retour en direct dès 22h. Demain matin, c'est Bruno qui vous réveille à partir de 6h du matin. Et puis on communique sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube MC Enzo, c'est à toi. Et ouais, au minute 2, c'est la fin du night show. Quand j'ai night, tu dis show. Ouais, night show. Night show. Show. Non, 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 non